Bonsoir à tous, bienvenue pour ce live à destination de toutes celles et tous ceux qui envisagent le CRSP en 2022. Je vais tout de suite me mettre en webcam avec la présentation qui vous sera faite ce soir. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Guillaume Guisset, je suis le directeur d'Objectif Barreau. Et ce soir, on va échanger ensemble sur le CRFP 2022, mais aussi pas mal sur le CRFP 2021, sur l'édition précédente. Et notamment sur les épreuves écrites, parce que vous savez, c'est une édition qui n'est pas terminée, on n'a pas encore eu les résultats d'admission, puisque les résultats d'admission ont lieu, enfin plutôt vont être publiés début décembre. Mais voilà, on va pouvoir parler pas mal de 2021 pour imaginer 2022. Et déjà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dans le chat, me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? C'est très important pour moi d'avoir un retour, donc dites-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et dites-moi aussi si voilà, vous préparez le CRFP bien, si vous le préparez bien en 2022. Et puis dites-moi aussi dans quel IOJ vous êtes. Ça m'intéresse toujours de savoir avec qui j'ai affaire. Donc n'hésitez pas à commenter. Habituellement, on a beaucoup d'étudiants de tous les IOJ. Tous les IOJ sont représentés. Il y a près de 50 IOJ en France. Et donc tous les IOJ... Ah voilà, super. Bonsoir Thelma, bonsoir Dalia. Bonsoir Veimiti, bonsoir Nana, trop bien, super. Et dites-moi, salut Réan, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans ce chat. On va essayer de répondre à toutes les questions en direct. Je vais essayer en tout cas d'y répondre moi-même. Et puis, j'aurai un camarade de la prépa qui répondra aussi dans le chat. Donc, merci à tous et bienvenue. Alors, l'objet de ce live, c'est de vous parler d'abord du CRFP 2021 et imaginer ce qui va se passer pour 2022. Non pas les sujets, bien sûr, on ne va pas parler de ça, mais surtout faire une bonne rétrospective de ce qui s'est passé en 2021 pour comprendre ce qu'on peut tirer comme enseignement pour le CRFP 2022. Donc vous allez voir, c'est assez riche. Ah oui, donc là, typiquement, on voit donc, des étudiants qui sont à Amiens. Salut Camille, salut Laura qui est à Aix, Inès qui est à Lyon, Nathalie qui voilà, prépare ses mains, très bien. Elle l'a passé, Vaimiti l'a passé à l'IOJ de Bordeaux, très bien cette année, IOJ de Reims. Donc voilà, tous les IOJ sont représentés, trop cool. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que avant, évidemment, de parler de l'édition 2021 pour encore une fois tirer des enseignements pour 2022, je suis obligé de passer par deux petits rappels. C'est vraiment deux slides très courtes. La première, c'est simplement pour vous expliquer, parce que je sais à ce stade de l'année, on est le 15 novembre aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont des niveaux d'information qui sont disparates, qui sont différents. On a des étudiants qui maîtrisent tout à fait le CRFPA, qui connaissent tous les tenants aboutissants, les détails du programme, etc. Et puis il y a ceux qui se posent encore des questions, savoir s'ils vont se présenter ou pas cette année. Et je sais que certains d'entre vous se disent, au regard de ce qui s'est passé en 2021, ça ne donne pas plus du tout envie de le passer. On va voir pourquoi est-ce que c'est le cas contraire qu'il faut plutôt se dire qu'il faut y aller cette année. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, il ne faudra pas faire d'autocensure, c'est plutôt ça. Et donc voilà, donc, deux rappels pour comprendre ce qui va se passer après, pour comprendre ce que je vais dire après. Il faut absolument que l'information soit, vous soyez nivelé à un niveau moyen d'information. Ce niveau, c'est très simple, c'est de dire que le CRFPA, pour information, il y a deux étapes au CRFPA. Il y a d'abord l'étape d'admissibilité, les épreuves écrites, et puis l'étape d'admission. Dans les épreuves d'admissibilité, vous en avez quatre. Vous avez la note de synthèse qui est coefficient 4, qui est coefficient 3, pardon, qui dure 5 heures, et ce qui en fait d'ailleurs une très grande singularité, plutôt c'était singulier pour vous, parce que la plupart des étudiants qui passent le CRFPA n'ont jamais fait de note de synthèse l'année, ou en tout cas ils découvrent cette épreuve à l'occasion de la préparation du CRFPA, donc c'est quelque chose de tout nouveau hein, pour vous. Deuxième épreuve, c'est le droit des obligations, ces deux épreuves, donc c'est coefficient 2 et 3 heures, ces deux épreuves sont les matières communes, ou les épreuves communes, peu importe le choix de la spécialité ou le choix de la procédure. Puis ensuite vous avez la spécialité, l'épreuve de spécialité, là, il va falloir faire un choix, il faut faire un arbitrage. Je sais que c'est en ce moment même, c'est novembre, décembre, janvier, c'est le moment où on se pose des questions sur sa spécialité. Parfois, on a des doutes, on se dit, ah, tiens, voilà, je suis affairiste, mais le droit pénal me tente bien, etc., etc. Donc, parfois, vous avez des doutes, et donc, on va essayer d'y répondre aussi ce soir, ne vous inquiétez pas. Et puis, une matière de procédure, en sachant qu'il y a une particularité, cette épreuve de procédure qui dure 2 heures, qui est coefficient 2. Vous avez, déjà, faut comprendre une chose, c'est que dès la phase d'admissibilité, il y a trois singularités très importantes. La première, c'est la note de synthèse, qui est la plus haute, enfin qui est l'épreuve à plus fort coefficient et qui dure 5 heures, qui est un format que vous ne connaissez pas, et donc il faut s'habituer à ce format, c'est très particulier. Et puis vous avez l'épreuve de procédure, qui elle dure 2 heures, qui est un format là encore que vous ne connaissez pas, et ça veut dire qu'il faut approcher
la consultation en procédure de façon différente par rapport à la consultation dans les matières de fonds comme le droit des obligations ou par exemple une matière spécialisée comme le droit des affaires. Parce que ça ne dure que 2 heures, donc l'approche qui va être la vôtre, l'analyse des faits que vous allez faire et surtout les choix, les arbitrages que vous allez faire sur les questions que vous allez traiter et la façon dont vous allez avoir de traiter les questions sera forcément différente de, d'une épreuve qui dure 3 heures. Et puis après, vous avez, si vous êtes admissible, parce que c'est important, les termes sont importants, si vous êtes admissible au CRPA, il faut avoir 10 pour être admissible, donc 10 aux épreuves écrites. Là, vous passez aux oraux. Donc là, c'est la phase dite d'admission. Donc vous voyez, admissibilité, admission. Et les admissions, donc en fait, ça se fait, donc il y a 2 épreuves. Première épreuve qui est le grand oral de liberté fondamentale, qui est sans doute l'épreuve reine du CRPA, qui chaque année, concentre un grand stress, concentre le stress des étudiants, ou le stress des, enfin, les étudiants sont très stressés par cette épreuve, plutôt. Coefficient 4, donc c'est le plus haut coefficient de l'ensemble du CRFPA. Et ensuite, il y a l'anglais, évidemment, l'anglais qui est coef 1. Et voilà. Donc, alors, très simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que la somme des unités de coefficient du CRFPA, c'est 14 unités de coefficient. 14 unités de coefficient. Et donc 4, donc avec grand taux qui sont rattachés au grand taux, 3 notes de synthèse, coefficient 2 de droits et obligations, spécialité coefficient 2, procédure coefficient 2 et anglais coefficient 1. Voilà. Ça, c'est très simple. Deuxième chose qu'il faut absolument comprendre avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est le programme qui est assez large, on va le voir, hein, qui est même très très large. Donc le programme du CRFPA, c'est très large. Droits et obligations, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le programme de la L2, un peu augmenté, notamment de RGO, qui est une matière qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en L2. Droit civil, c'est là encore une matière qui est très transversale, puisque vous avez bien, famille, régime matrimoniaux, contre-aspect, sûreté. Droit des affaires, c'est pareil. Vous avez donc droit commercial, commerçant, fonds de commerce, baux commerciaux, droit des sociétés, donc régime général, régime spéciaux, et vous avez également procédure collective et droit bancaire. Puis droit fiscal, vous avez les sources, l'imposition du résultat des entreprises, la TVA, l'imposition du revenu et du patrimoine des personnes physiques, le contrôle et contentieux fiscal. Droit pénal, c'est pénal général, pénal spécial. On peut considérer que le droit pénal spécial, dans le droit pénal spécial, on a aussi le droit pénal des affaires, mais voilà, c'est tout est imbriqué. Droit social, vous avez relations individuelles, relations collectives, protection sociale, on va voir que cette année, la circulation et les détachements des travailleurs salariés dans l'UE. Donc, on va le voir cette année, d'ailleurs, qu'il y a eu un changement un peu de paradigme en 2021 par rapport à l'équilibre général des sujets de droit social. Donc, on va en parler. Le droit administratif, c'est le droit administratif général, bien sûr, mais aussi le droit administratif spécial, qui inclut notamment la fonction publique d'État, fonction publique d'État, droit administratif des biens, et dernier élément, c'est le droit des étrangers. Et puis ensuite, droit international et européen, là vous avez DI privé et DUE, si je vais être schématique, et droit du commerce international. Alors, simplement pour vous dire, comprendre 2021, c'est ça l'objet en fait, comprendre 2021 pour se préparer à 2022. Simplement un élément de contexte, il faut absolument comprendre parce que vous avez forcément des camarades qui ont passé le CRFPA en 2021, qui ont dû vous dire, voilà, c'est une année qui a été particulièrement difficile, c'est presque une année de régulation, on va le voir. Et pourquoi est-ce qu'elle a été difficile cette année? Et c'est extrêmement important de comprendre aussi dans quel contexte on se situait avant le CRFPA 2021. En fait, 2020, donc c'est-à-dire l'année d'avant encore, donc pas cette année, mais l'année encore d'avant, donc 2020, c'était une année exceptionnelle en termes de taux d'admission parce que les taux d'admission moyens en IEJ étaient supérieurs à 30%. C'était une année Covid. Et voilà, les taux d'admission ont été exceptionnels l'année dernière, il faut être honnête. Donc c'est le taux d'admission moyen, tous IEJ confondus, tous élèves confondus, qui sont en prépa ou pas en prépa, c'était supérieur à 30%. Donc 2020, ça a été un cru exceptionnel. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en janvier 2021, donc après les résultats d'admission du CRFPA 2020, la plupart des écoles d'avocats ont été en sureffectif complet, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus aucune place. Et je prends par exemple, c'était dans beaucoup d'écoles d'avocats, et particulièrement à l'EFB par exemple, et à l'EFB, donc à Paris, où en réalité, ce qui s'est passé, c'est que on le sait, et même dans d'autres écoles d'avocats, hein, partout en France, on a dû refuser, les écoles d'avocats ont dû refuser des candidatures d'étudiants qui étaient pourtant éligibles à l'école d'avocats. Par exemple, tous les docteurs en droit qui étaient éligibles, qui pouvaient rentrer à l'école du barreau, ont été refusés à l'entrée. On sait aussi qu'on a certains étudiants qui étaient dans des facs, qui étaient rattachés dans des facs qui n'étaient pas forcément, qui ne devaient pas aller forcément dans l'école du barreau locale, par exemple, quand vous êtes l'EFB, c'est que vous avez passé vous étiez à l'IEJ de, par exemple, de Paris 1 ou de Paris 2. On a des étudiants de l'IEJ d'Aix-en-Provence qui peuvent aller à l'école, à l'EFB, s'ils veulent, s'ils le souhaitent, sous réserve de respecter une certaine procédure. Tout ça a été gelé. Et puis, on a même des étudiants
des candidats, donc typiquement les qui donc des candidatures classiques d'étudiants de fac parisienne qui ont été refusées parce qu'ils ont joué sur les délais. Le FB, par exemple, a joué sur les délais pour refuser des candidatures classiques d'étudiants de fac parisienne. Et donc, les écoles ont rédigé même des communiqués publics sur le nombre très important d'admis et qui les mettaient en difficulté. On a notamment, je crois, une publication de la Gazette du Palais du 18 décembre 2020 qui indique qu'ils vont être en difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les écoles d'avocats l'année dernière ont été saturées parce que le taux d'admission au CRFPA était extrêmement élevé. Conclusion, les écoles d'avocats ont été saturées. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le CNB... le CNB a globalement, en fait, alors c'est pas officiel, bien sûr, mais on imagine que le CNB a mis un petit peu la pression sur la Commission nationale pour faire que l'année 2020 soit une année, moi, on pourrait presque la qualifier d'année de régulation, c'est-à-dire une année où, en fait, on va baisser les taux, et ça se voit. Aujourd'hui, les taux d'admissibilité au CRFPA sont au niveau national beaucoup plus faibles que les taux d'admission de l'année dernière, donc vous voyez, vous imaginez la chose. Donc 2021, c'est le contraste absolu de 2020, c'est une année qui est désastreuse en termes de taux d'admissibilité, tous IEJ confondus. Je parle évidemment pas des taux d'admissibilité d'Objectif Barreau, mais des taux d'admissibilité au niveau national, pour vous expliquer un petit peu cette épreuve. Donc c'est une année de régulation, et une année aussi, et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une année qui est extrêmement instructive pour comprendre, quelles sont les grandes orientations pour 2022. Et c'est, moi je pense, je vous le dis, pour avoir une vue transversale, tout sujet confondu, etc., c'est sans doute l'année qui ressemble plus, c'est un peu, moi je qualifie d'acmé, si vous voulez, par rapport à la réforme de 2016. Autrement dit, 2021, c'est l'année où les sujets ont été, on va dire, correspondent le plus à l'esprit de la réforme de 2016, qui était, je vous le rappelle, une réforme qui avait pour ambition d'abord de créer un examen qui soit l'antichambre de la profession d'avocat, avec notamment des consultations. Et on va dire que si je reprends la communication d'Elisabeth Menesgen, qui était membre de la commission en 2016, eh bien, en 2017, elle disait notamment que le CRFPA visait à sélectionner des étudiants qui avaient des aptitudes particulières à la profession d'avocat. Et donc, les consultations de cette année ont été des vraies consultations, avec du droit prospectif, par exemple, en procédure civile, mais aussi avec des questions très ouvertes, comme en droit des affaires, et aussi avec des vraies questions de raisonnement en droit des obligations, avec des faits enchevêtrés, pareil en droit pénal, etc., etc. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que cette année, on arrive, je pense, à un niveau de maturité extrêmement fort par rapport à la réforme de 2016, et cette année, l'édition 2021 du CRFPA correspond parfaitement, si vous voulez, à l'objectif qu'avait la réforme en 2016, et c'est ça l'immense avantage, c'est que 2021 on peut tirer des enseignements 2021 pour se préparer pour 2022. C'est extrêmement, extrêmement riche. Donc c'est ça qu'on va évoquer ce soir. En fait, très concrètement, si vous voulez, je vais résumer l'état d'esprit, c'est que en 2016, l'idée, si vous voulez, de la commission, c'est de faire en sorte que les étudiants soient confrontés à l'occasion du CRFPA à l'exercice de la profession d'avocat. Pour ne pas, parce que vous voyez, à l'époque où on passait le barreau il y a 10 ans, on pouvait tomber sur un commentaire d'arrêt. Lorsque, avant la réforme de 2016, on pouvait tomber, par exemple, à l'IEJ Pierre Reynaud de Paris 2, que je connais bien, eh bien, on pouvait tomber sur un commentaire d'arrêt ou une dissertation en droit des obligations. Et donc, en fait, le CRFPA, à l'époque, avant 2016, c'était un CRFPA qui sanctionnait, finalement, 4 ou 5 années d'études des étudiants qui passaient le barreau. L'exemple typique, c'est celui-là, c'est qu'on pouvait avoir des dissertations, on pouvait être sélectionné au CRFPA sur des dissertations juridiques. Or, vous comprenez bien que c'est pas du tout réaliste comme façon de sélectionner des futurs avocats, parce que bah, concrètement, quand on est avocat, et vous le savez vous-même si vous avez fait des stages, lorsqu'on arrive en cabinet, eh bien, quand on vous donne un contrat à rédiger, lorsque vous avez la question d'un client, un client par exemple, quand il vient vous consulter, eh bien, il s'en fiche complètement de savoir, de connaître l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'arrêt chronopost, il s'en fout complètement, il s'en fout de l'objectivation de la cause subjective ou de la subjectivation de la cause objective, il s'en fiche, ce qu'il veut, c'est des réponses en droit positif, et c'est pour ça qu'en 2016, la réforme a nationalisé l'examen,
Et surtout, à exposer les étudiants à la profession d'avocat avant même de rentrer à l'école du barreau. Eh bien, aujourd'hui, on demande aux étudiants d'avoir cette attitude particulière pour la profession d'avocat, être capable d'être suffisamment transversal, enfin, d'être plutôt des étudiants qui sont capables, des candidats qui sont capables de régler ou de résoudre des problématiques extrêmement transversales. Parce que demain, si vous vissez votre plaque à l'entrée d'un cabinet, si vous mettez par exemple spécialiste en droit civil, eh bien, la personne qui va monter vous voir, votre futur client, il va vous poser des questions en droit des sûretés, en droit des biens, en droit de la famille, il est éligible à toutes ces questions et vous devez résoudre ces questions. Et même parfois, vous pouvez être confronté à des situations dans lesquelles il n'y a pas de droit positif. Par exemple, il y a quelques années, il n'y avait aucune jurisprudence et aucune loi sur les accidents de la circulation impliquant des trottinettes électriques. Il a bien fallu faire des raisonnements par assimilation lorsqu'on était avocat confronté à ces situations-là. Et on voit aujourd'hui dans les sujets, en tout cas on a vu dans les sujets 2021, des vraies questions qui sollicitaient les étudiants sur cette qualité, cette capacité à faire des raisonnements par analogie par exemple. Et j'en prends pour exemple la procédure civile. Voilà, ok les amis, donc très concrètement, c'est une année qui est particulièrement difficile en termes de taux d'admissibilité. Et donc forcément les taux d'admission sont plus faibles que les taux d'admissibilité, logiquement, parce qu'encore une fois, on n'a pas fait les deux étapes. Mais c'est aussi une année qui est extrêmement instructive pour ceux qui vont préparer 2022. C'est aussi 2022, les amis, la dernière année de la commission en fait, qui rédige les sujets, parce qu'en fait, ils ont fait 2020, donc année où les sujets étaient particulièrement faciles, si j'ose dire, 2021, où en fait, on était sur une année particulièrement difficile, et 2022, c'est la dernière année de la commission. Après cette année, eh bien, ça sera une autre commission qui va se réunir. Ce qui veut dire aussi que, et c'est l'avantage de se préparer pour 2022, c'est qu'on a quand même un recul sur cette commission. Ceux qui vont rédiger les sujets cette année, les amis, sont ceux qui ont rédigé les sujets en 2021 et en 2020. Donc en fait, le retour d'expérience qu'on a, l'analyse qu'on peut faire des sujets qui ont été rédigés, font que, eh bien, forcément, on gagne en maturité, en compréhension, etc. On est plus profond et sans doute moins. Alors, la chute, elle est de combien ? Alors, les amis, ce slide n'est pas orthodoxe mathématiquement, tout simplement parce que je compare des choux et des carottes, des taux d'admissibilité, et c'est pour ça qu'il y avait ce slide juste avant, pour vous expliquer ce que c'était que l'admissibilité, les taux d'admissibilité, les taux d'admission, c'est pas les mêmes étapes. Cependant, on peut comparer ce que je peux comparer à l'heure où on se parle, c'est le taux d'admission 2020, qui était de plus de 30%, et le taux d'admissibilité en 2021, qui est un tout petit peu au-dessus de 25%. Ça veut dire qu'à l'atterrissage, on devrait avoir un taux d'admission cette année inférieur à 25%, parce que vous avez bien des étudiants qui vont se faire recaler à l'oral. Ils seront moins importants, parce que la plus grande barrière, n'oubliez jamais les amis, la plus grande barrière au CRFPA, c'est la barrière des écrits. Lorsque vous avez passé des écrits, vous avez, en fonction des IEJ, vous avez deux tiers à trois quarts des chances de rentrer à l'école du barreau. Donc vraiment, la plus grande barrière, la plus complexe à passer, c'est les écrits. À partir du moment où vous êtes pris aux écrits, vous avez plus de chances d'avoir le barreau qu'avant la phase d'admissibilité. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Cette année, il y a un écart, en tout cas, de près de 18 points, en fait. Il y a un écart de 18 points aujourd'hui entre le taux d'admission et de 18 points entre les taux d'admission et le taux d'admissibilité. Donc l'écart à l'atterrissage sera peut-être de 20 points. 20 points, c'est énorme. Et ça concerne tous les IEJ, 80% des IEJ plutôt, parce qu'en fait, il y a des IEJ où c'est assez constant. Alors là, je vous ai mis le top 10 des IEJ qui ont fait chuter leur taux d'admissibilité par rapport au taux d'admission N-1. Vraiment, les IEJ qui ont respecté, je dirais, la consigne concrètement, qui était globalement de réduire le nombre d'admis. Les premiers, Avignon par exemple, on était sur un taux d'admission à 38%, on est sur un taux d'admissibilité à 16%, donc vraiment, c'est potentiellement énorme. Reims, Montpellier, Strasbourg, voilà le top 10 des IEJ parmi les 50 IEJ en France, le 49 pour être précis cette année. Eh bien voilà les IEJ qui ont sélectionné particulièrement difficilement cette année par rapport à N-1. Donc on a Paris 5 par exemple on avait un taux d'admission à 50%, on est sur un taux d'admissibilité à 33, c'est-à-dire qu'en fait on va atterrir en dessous de 30 cette année. Pareil pour Bordeaux, 32, 16, donc voilà, c'est des chutes qui sont considérables. Alors évidemment, alors la différence entre taux d'admission et taux d'admissibilité, très simple. L'admissibilité, c'est le taux des écrits. Donc en fait, très concrètement, je crois que de toute façon, les personnes répondent en même temps en direct, c'est super. Mais clairement, effectivement, le taux d'admissibilité, c'est le nombre de présents aux écrits. C'est le nombre de personnes qui ont les écrits sur, c'est le dénominateur, sur les personnes qui ont passé l'examen. Donc en fait, c'est le nombre de présents. Enfin, je vais le faire très concrètement.
Le taux d'admissibilité, okay. Admissible, c'est en fait tout simplement les personnes qui ont eu les écrits, donc les admissibles, sur les présents aux écrits. Ok ? Voilà, tout simplement. Ok ? Et les admis, le taux d'admission, ok ? Ce sont les admis, donc ceux qui ont passé les écrits et les oraux sur les présents à l'examen. Les présents, voilà, tout simplement. En gros. Les présents, bam, donc c'est le même dénominateur tout le temps, mais les admissibles et les admis, c'est pas la même chose. Du coup, il y a évidemment une chute parce qu'entre les deux, on sélectionne, ça s'appelle les oraux. Ok ? Voilà, tout simplement. Je suis obligé de d'effacer parce que sinon, ça va être un petit peu ça. Mais gros, voilà, retenez ça. Admissibilité, ça, c'est les personnes qui sont sélectionnées aux écrits. Admission, c'est ceux qui sont sélectionnés sur les deux critères. Alors, quel est, évidemment, lorsque vous avez envie de réguler davantage le nombre de personnes qui vont rentrer dans les écoles du barreau, eh bien, le moyen le plus efficace, c'est de taper ou d'utiliser un levier qui est un levier commun, qui est commun à tous les étudiants, peu importe la spécialité, c'est le droit d'habilitation ou la note de synthèse. La note de synthèse, je ne vais pas en parler cette année, je vais en parler évidemment autant de fois que vous voulez, parce que c'est évidemment la matière reine de la partie, on va dire, de la première partie, la première étape, qui sont les épreuves d'admissibilité, les épreuves écrites. Cependant, il n'y a pas eu de difficulté particulière sur la note de synthèse cette année. Donc, donc la note de synthèse, c'était, pour rappel, c'était sur les immunités, pardon, mais il n'y avait pas de difficulté particulière, il n'y avait pas beaucoup plus de documents que les autres années, il n'y avait pas, si vous voulez, des documents extrêmement singuliers, c'était assez conservateur comme note de synthèse. En revanche, le droit des obligations, c'est là où en fait le bas blesse, c'est là où cette année la régulation s'est faite. Autrement dit, quand vous êtes, encore une fois, si vous voulez agir sur un taux d'admission, très simplement, vous mettez un sujet de droit des obligations particulièrement difficile. Vous mettez par exemple ce 70% de RGO, où tous les étudiants sont la plupart du temps mauvais en RGO, parce que c'est très technique cette matière. Par exemple, le mécanisme de la subrogation, il y a la moitié des étudiants, je pense, qui vont au CRFPA sans savoir ce que c'est que le mécanisme de la subrogation, qui n'arrivent pas à l'expliquer clairement, donc ils ne l'ont pas maîtrisé complètement. Donc vous voyez, vous faites 70% de RGO dans le droit des obligations, c'est sûr que vous avez un taux d'admission à la fin au CRFPA qui est de 10%, si vous voulez. Donc là, clairement, le levier principal pour sélectionner les étudiants, pour créer une tendance très forte, très puissante sur les taux d'admission, c'est le droit d'obligation ou la note de synthèse. En l'occurrence, là, ça a été, et le droit d'obligation est encore plus radical. Parce qu'encore une fois, il repose sur un sous-jacent pédagogique, contrairement à la note de synthèse, qui est une épreuve qui ne repose sur aucun sous-jacent pédagogique, uniquement la méthodologie. Donc vous pouvez faire une note de synthèse de 70 pages, là, ça va faire un effet, ou vous pouvez faire, encore une fois, une note de synthèse classique, et c'est ce qui s'est passé cette année, un sujet de droit d'obligation particulièrement compliqué. Alors, je vais juste vous parler de façon très, très rapide du sujet de droit d'obligation cette année. Alors, c'était quoi ? Rappel des faits, c'était la dirigeante d'une société qui a contracté un emprunt avec un taux d'intérêt variable qui reposait sur un indice, qui était un indice du cours du pétrole. Vous savez, les indices, c'est comme le CAC 40. Le CAC 40, c'est un indice. Donc là, c'était un indice particulier donc lié au cours du pétrole. Et puis, il y a un avenant qui avait été signé. Donc là, le contrat était de 2016. Un avenant a signé en 2019. Avec deux sûretés, un cautionnement et une cession de créance. C'était une cession de créance professionnelle, donc une cession d'AI. Cette même dirigeante, j'ai pas mis ça au féminin, mais effectivement, c'est une femme, cette même dirigeante a subi aussi des dommages sur sa maison. Vous voyez bien se dessiner ici les deux grands équilibres du sujet, qui étaient une très grosse partie du sujet sur le droit des contrats, un petit peu de RGO, mais globalement, c'était clairement du droit des contrats sur 15 points, et l'autre partie sur 5 points, sur la responsabilité civile. Donc, on avait un équilibre, si vous voulez, qui était... Enfin, c'était un sujet qui était clairement contrat, 15 points, 5 points responsabilité civile. Parce qu'encore une fois, la dirigeante avait eu un problème parce que son voisin avait fait des travaux sur sa maison et qui avait créé donc, des fissures sur son mur, très concrètement. Mais bon, c'était une façon d'interroger les étudiants sur 1240, sur la responsabilité civile. Bon, c'était un sujet donc en deux parties, 15 points avoir les contrats, 5 points responsabilité. La première partie sur 15 points, comment ça se passait ? Très simplement, vous aviez trois questions. Première question sur 8 points, deuxième question sur 3 points, troisième question sur 4 points. Première question sur 8 points, il y avait 3 étapes. Et c'est ça la particularité. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous dire. Je pense qu'il y a très peu de professeurs, et d'ailleurs très peu de professeurs, ou même très peu de directeurs de prépa, qui parlent de ce sujet. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui fait encore l'objet de questions
Et en fait, si vous n'avez pas eu le corrigé officiel, c'est très difficile d'en parler. Pourquoi? Parce que c'était un sujet aussi qui avait des sur lequel il y avait des ouvertures. On est là, en fait, 2021, sur un sujet de droit de l'éducation qui autorisait, si vous voulez, la réflexion et qui, pour lequel, en fait, l'étudiant qui réussissait, d'abord, il avait une méthodologie extrêmement précise sur la consultation et sur le syllogisme. Ça, c'est incontestable et on va le voir, en fait, dans les grands enseignements que moi, je tire de l'ensemble des sujets, donc de façon transversale, hein, donc avec, donc vous prenez le droit administratif, vous prenez le droit international européen, vous prenez le droit des obligations, etc. Il y a quand même des grandes tendances qui se dessinent, de façon transversale sur l'ensemble des sujets, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, ça vous donne quand même globalement une direction sur 2022, mais voilà, CRFPA 2021 sur le droit des obligations, c'est aussi, enfin, en tout cas les étudiants qui ont réussi, c'est ceux qui sont arrivés, d'abord on va le voir, à garder la tête froide parce que c'est un sujet compliqué, mais aussi à se positionner, à se mettre dans la peau d'un avocat, à essayer d'aider la cliente à résoudre ses problèmes en restant assez ouvert. Voilà, on va le voir. Mais donc concrètement, première partie, vous voyez, question 1 sur 8 points, typiquement c'était que du droit des contrats, trois grandes étapes, si je veux être très schématique, discuter de la contrariété entre un document précontractuel et l'exécution contractuelle. Il y avait aussi un sujet de nullité, où là, je dirais, la question de droit d'obligation était très précise, c'est la nullité, notamment parce qu'en fait, il y avait la disparition de l'indice, vous savez, le fameux indice, comme le CAC 40, bah, vous voyez, l'indice a disparu, et donc la question, c'était évidemment, est-ce que, très concrètement, est-ce que ça entraîne la nullité de la clause ou pas, la disparition de cet indice. Puis troisième élément, c'était le remboursement anticipé du prêt et les conséquences du remboursement anticipé du prêt. Mais vous voyez, vous avez déjà une question sur 8 points qui était enchevêtrée, dans laquelle vous aviez des sujets enchevêtrés, des questions de nullité, des questions de validité d'un document précontractuel, et puis aussi une question de remboursement anticipé du prêt qui pouvait appeler à des questions de RGO. Deuxième question, question 2, sur 3 points, on est encore sur des sujets de droit des contrats, c'était la question de la signature électronique et du cautionnement et de sa validité, la validité en fait du cautionnement lié à la signature électronique. Question 3, 4 points, on était sur une question de validité de la cession d'AI et sur le refus du CD d'être cédé. C'est peut-être ce qu'il y avait de presque de plus simple globalement. Et puis vous aviez une deuxième partie aussi, c'était la partie sur 5 points, responsabilité civile. Là, c'était concrètement un tiers, en l'occurrence la dirigeante de la société, qui a une maison et qui cette maison a une fissure. Pourquoi? Parce que le voisin fait des travaux sur un sol qui était plutôt meuble. Meuble, ça veut dire tout simplement, enfin, c'était du sol sablonneux. Bon, peu importe. En tout cas, on était vraiment dans le cas d'une situation d'un tiers qui subit un dommage lié à l'inexécution d'une obligation contractuelle. Donc très concrètement, c'était l'article 1240 qui était visé. Il y avait aussi une question de, on pouvait évoquer les causes d'exonération par sol sablonneux. Mais globalement, voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce sujet? Premier truc, c'est d'abord, c'est un sujet très piégeux. Pourquoi? Parce que dans les faits, on évoquait la cession d'AI. On évoquait la cession de créances professionnelles. Et d'autre part, on évoquait le code monétaire et financier. Donc c'est-à-dire que vraiment, dans les faits, quand vous les lisez, je vous invite vraiment d'ailleurs. Franchement, je vous invite, vous étudiants candidats au CRFPA 2022, je vous invite à regarder quand même les annales des années précédentes, parce que c'est extrêmement utile pour vous représenter ce qu'on attend de vous. Mais donc, les faits évoquaient ça, la cession d'AI, le code monétaire financier, et donc le premier piège, évidemment, c'était pour les non-affairistes, d'abord, c'est la panique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes pénaliste, et que vous ne savez même pas ce que c'est qu'une séance, une session de créance professionnelle, et que vous vous dites, on me cite le code monétaire financier dans les faits, c'est extrêmement compliqué, etc. C'est assez flippant, parce que vous dites, et puis en plus, évidemment, dans les faits, on vous parle de la présidente d'un conseil d'administration, d'une SA, donc vous dites, oh là là, enfin, vous voyez, c'est typiquement, et c'est la difficulté, c'est qu'en fait, pour les non-affairistes, c'était d'abord de garder son calme, et d'avoir confiance en soi, et de revenir sur le droit commun. Piège numéro 2, ça c'était le pire, c'était pour les affairistes, ils pouvaient être tentés de faire du droit spécial, alors qu'en fait, il fallait rester sur le droit commun. Et c'est ça la difficulté, c'est que le droit des obligations, l'épreuve de droit des obligations, ce ne sont pas des contrats spéciaux. Ce n'est pas une épreuve de droit des sociétés, ce n'est pas une épreuve de contrats spéciaux. Vous ne devez pas analyser le contrat, par exemple, sur la partie droit des contrats, à travers, je ne sais pas moi, si c'est un contrat de vente, vous ne devez pas l'analyser par rapport au droit spécial de la vente, vous devez l'analyser par rapport à la théorie générale des obligations, et donc le droit commun des contrats, et vous ne devez rester que sur ce strat-là, d'analyse, donc très concrètement, c'était vraiment la difficulté de cette année, c'était des faits très enchevêtrés,
un peu complexes, avec notamment des questions de, vous voyez, d'indices. Je pense même qu'il y a des étudiants qui ne savaient pas ce que c'était qu'un indice, et qui peut-être des étudiants qui ne sont pas affairistes et qui n'ont pas vu beaucoup de contrats de biens d'emprunt dans leur vie, et qui forcément se disent, mais qu'est-ce que c'est que un taux variable qui varie en fonction d'un indice, je ne sais même pas ce que c'est qu'un indice. Donc vous voyez, il y avait un vrai sujet, si vous voulez, d'appropriation des faits, etc. Et puis il y avait ce sujet aussi de projeter les étudiants sur je dirais une situation qui appelle des compétences de droit spécial, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on attend, encore une fois. C'est vraiment on vous emmène dans une direction dans laquelle il faut pas aller, en fait, bon, tout simplement. Mais c'est extrêmement instructif. Pourquoi c'est extrêmement instructif? D'abord, la première chose qu'il faut se dire, quand on a lu le sujet et qu'on a été confronté au sujet, d'abord, la première chose, c'est aucune impasse. Il ne faut faire, et cette année, sur tous les sujets, on va en parler tout à l'heure, droit social, droit international européen, droit pénal, il ne faut faire aucune impasse. Vous ne pouvez pas faire d'impasse. Ce qui ne veut pas dire, et ça je vais vous dire, parce que chez Objectif Barreau, on est obsédé par l'efficacité pédagogique et par le fait que les étudiants ont peu de temps pour se préparer. Et donc il faut évidemment optimiser son temps. Les étudiants qui réussissent le CRFA sont d'abord des étudiants qui optimisent leur temps. Et donc il faut avoir un partenaire, en l'occurrence une prépa, qui profile son, on va dire, tous ces contenus pédagogiques de telle sorte que les étudiants ne perdent jamais de temps et voire en gagnent énormément. Donc évidemment que c'est notre obsession, c'est d'en gagner. Donc ça veut dire ne faire aucune impasse, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, une hiérarchie dans les connaissances. Il faut hiérarchiser les connaissances. Vous ne pouvez pas traiter les voies d'exécution en procédure civile c'est forcément, vous avez un temps à allouer, et sur la procédure civile, vous ne pouvez pas passer autant de temps sur les voies d'exécution que sur le reste. C'est logique. Vous voyez, la voie d'exécution, c'était pas présent, ça fait 5 ans que, si vous voulez, les voies d'exécution ne sont pas présentes dans le sujet de procédure civile. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir. Cependant, c'est particulièrement tête d'épingle. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des questions là-dessus. Donc, il faut les traiter. Vous voyez, c'est le sujet. Il faut tout voir, mais il ne faut pas tout voir avec la même intensité. Sinon, c'est complètement débile. Il faut évidemment partir des analyses des années précédentes, comprendre l'actualité juridique. On va voir que c'est extrêmement important aussi. Mais globalement, ne tout voir, mais pas tout voir avec la même intensité, ne pas avoir une vision horizontale, horizontale, si vous voulez, du programme, en se disant tout se vaut, tout est égal, tout n'est pas égal. Il y a des priorités, il y a des choses qu'il faut absolument maîtriser, des choses qu'il faut connaître simplement. En revanche, aucune impasse, ça c'est indispensable. Deuxième chose, avoir confiance en soi et en sa préparation, garder la tête froide, parce que, évidemment, quand on est confronté à ce type de sujet, le premier risque, c'est la déstabilisation, c'est s'effondrer lorsqu'on perd au moins 30 minutes à gérer ses émotions, compliqué. Chez Objectif Barreau, d'ailleurs, je pense qu'on est les seuls à faire des podcasts sur la gestion du stress et faire des cours de gestion du stress. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Tout au long de la préparation, on fait ça pour nos étudiants. Et d'ailleurs, c'était des cours qui étaient extrêmement bien notés. C'était des cours vraiment en plus qu'on a fait, évidemment. C'était du plus, c'est du nice to have. Et on l'a fait quand même cet été. On était très contents, les étudiants aussi. Et puis aussi, troisième enseignement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce sujet? C'est ne pas forcément chercher une réponse tranchée. Il faut discuter. Il faut se placer comme un conseiller, comme un avocat qui est consulté par un client, et donc il faut être capable de discuter, de raisonner. Et puis la troisième chose, et la quatrième sans doute la plus importante, je pense, c'est organiser la formation. C'est donc, ça fait appel à la méthodologie. Je pense que vraiment cette année, je vous le dis, 2021, c'est l'année, pour laquelle les sujets ont fait le plus appel à la maîtrise de la méthodologie par les étudiants. Donc c'est extrêmement important, et on va le voir, c'est vraiment ce qui innerve l'ensemble des sujets. Donc il y a trois conseils que je peux vous donner, en fait, à la lecture de l'ensemble des sujets, qu'ils soient publics, privés, peu importe la spécialité, peu importe la procédure, qu'on va retrouver ici. Alors, il y a trois choses. La première, c'est la méthodologie. La méthodologie, c'est vraiment l'élément pivot qui innerve l'ensemble des sujets, peu importe les sujets de spécialité, de procédure, obligé, etc. On l'a vu dans oblig, on l'a vu qu'en obligation, la méthodologie, vous voyez, typiquement, lorsque vous avez, par exemple, excusez-moi, je reviens ici, la question 8, là. Lorsque vous avez une question sur 8 points avec des faits enchevêtrés, où il faut analyser étape par étape. Vous voyez, ces trois étapes-là, il faut bien les identifier. Elles sont pas, on ne vous les donne pas. On ne vous dit pas, c'est pas une question fermée, c'est vraiment une question ouverte. Et donc forcément, il faut faire ces trois étapes. Mais vous voyez, ça c'est de la méthode. C'est de la méthode, il faut savoir comment, dans des faits enchevêtrés, comment je vais prendre le sujet, par quel bout je vais le prendre et par où je vais commencer. Et déjà, quand vous avez répondu à cette question, par où je vais commencer, vous avez déjà une partie des points. Parce que, et donc ça c'est de la méthodologie. Ce sont des réflexes à acquérir. À force de faire des entraînements, on arrive à développer ces réflexes. Alors, vraiment,
La première chose, donc vraiment la méthodologie, c'est indispensable pour préparer 2022. Les trois clés pour 2022, c'est comprendre les années précédentes, notamment 2021. Et 2021, c'est clairement l'acmé, encore une fois, du CRFPA tel que la réforme l'a imaginé depuis 2016. Et donc, c'est la méthodologie. J'en prends pour exemple le sujet de procédure civile. Où sur le sujet de procédure civile, vous aviez 10 points, la moitié des points, qui portaient sur l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire. Donc, vous savez, c'est l'article 750-1. Du code de procédure civile qui oblige en fait à la conciliation. C'est une obligation préalable de tenter une négociation amiable en fait avant d'arriver devant le juge. Bon, voilà, très simplement. C'est une question, cette question-là, qui était posée dans le cadre de ce sujet de procédure civile, qui ne trouve pas de réponse en droit positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question, cette question qui a été posée sur 10 points, ne porte, en fait, très concrètement, il n'y a pas de réponse en droit positif. Il fallait donc faire un raisonnement par assimilation avec les mardes, les moldes alternatifs de règlement des différences, disant, en fait, très concrètement, l'article 750-1 du code de procédure civile est un copier-coller, si vous voulez, de la jurisprudence sur la conciliation, ou sur, en tout cas sur les modes alternatifs de règlement des différends. Et donc, par assimilation, je vais appliquer le régime des mardes cette question-là. Et donc, c'est comme ça que j'y arrive. C'est-à-dire qu'il fallait faire le raisonnement par analogie, il fallait être capable de faire un raisonnement par analogie, il fallait donc connaître les mardes, effectivement, et surtout se dire, 750-1, c'est vraiment une tarte à la crème. Mais vous voyez, sur une question tarte à la crème, on peut vous poser des questions compliquées. Sur les questions de tête d'épingle, en revanche, on vous posera souvent des questions de type questions de cours déguisées. C'est souvent ça qui se passe. Par exemple, effectivement, 750-1, sujet tarte à la crème, thème tarte à la crème. Normalement, quand vous arrivez au CRFPA, vous savez ce que c'est. Eh bien, on va vous poser une question complexe qui appelle chez vous une forme d'intelligence qui est celle d'appliquer ni plus ni moins les méthodes, les concepts, la méthodologie qui vous a amené, et notamment par exemple ici, le raisonnement par analogie. On pourrait faire un raisonnement à contrario, on pourrait faire, vous savez, une interprétation large ou restrictive d'un principe. En l'occurrence là, ce qui était appelé, c'est votre capacité à raisonner par analogie. Et donc très concrètement, voilà, c'est ce qu'on appelait chez les étudiants. Mais typiquement, parce que 750-1, c'est plutôt tarte à la crème, on vous pose une question complexe. Si on vous avait posé une question sur les voies d'exécution, qui est vraiment une question très très technique, sans doute que ça aurait été plus simple. Mais vous voyez, quand vous avez 10 points là-dessus, ça veut bien dire que là, l'examen, il repose clairement sur la capacité qu'ont les étudiants à raisonner. Les autres 10 points, c'était vraiment du cours déguisé. On va en parler juste après. Vous voyez, donc c'était typiquement, procédure civile, c'était vraiment réflexion, sujet de réflexion, de raisonnement sur 10 points, et sujet. Si tu connais ton cours, il y a les 10 points à côté. Voilà. Mais de toute façon, tu vas devoir passer par la première question. Droit des affaires, là encore, méthodologie. C'était donc indispensable en procédure civile d'avoir la méthodologie, de connaître les étapes, de raisonner par analogie. Droit des affaires, donc c'était les questions qui ont été posées cette année, c'était sur le droit des sociétés, sur la procédure collective et sur le droit bancaire. Voilà, donc c'était des questions précises, comme des questions extrêmement larges qui nécessitaient un effort de construction de la réponse. Donc dès que vous êtes dès que vous avez une réponse qui doit être construite, argumentée, raisonnée, avec un syllogisme, avec des étapes, si vous voulez, tout simplement, la méthodologie est extrêmement importante. Le droit pénal, là encore, et je vais vous dire, la méthodologie, c'est l'une des spécialités de la maison, c'est une des spécialités de l'objectif Baron, on va en parler juste après, mais c'est ce qui fait que nos étudiants ont sans doute mieux géré que les autres ce type de désagrément avec des faits enchevêtrés, etc. Parce qu'on insiste énormément dans nos séminaires de correction sur la méthodologie de chaque épreuve, hein, spécialité, procédure, droit d'obligation, etc. Droit pénal, beaucoup de questions relatives aux infractions non intentionnelles. Les infractions non intentionnelles, c'est sans doute en droit pénal celles qui demandent le plus de méthodes pour approcher le sujet. Donc clairement, la méthode était fondamentale en raison de l'imbrication des infractions, évidemment, mais aussi sur le thème des infractions non intentionnelles qui demandaient beaucoup de rigueur. Les infractions non intentionnelles, c'est énormément de rigueur, et donc c'est de la méthodologie, et la méthodologie, c'était très important cette année. Droit civil, régime mat, alors qu'est-ce qui est tombé cette année? C'était globalement régime matrimonial, sûreté, et bien. Là, clairement, on avait une question sur 8 points. Vous voyez, 8 points, c'est quand même important. Une question sur 8 points qui était relative au droit d'un créancier sur des biens d'un couple marié. Et donc là, il fallait se poser la question. Il fallait donc, là encore, raisonner par étapes. C'était presque, en fait, un contrôle de... En fait, vous voyez, tous ces sujets-là, c'est le contrôle, je dirais, de la méthodologie indispensable lorsqu'on veut devenir avocat. C'est vraiment, en fait, on vous demande... Vous voyez, donc là, c'est le contrôle... Chaque élément dont je suis en train de parler là, c'est clairement le contrôle par en fait les examinateurs, par les rédacteurs du sujet, c'est pour voir ceux qui maîtrisent la méthodologie de base pour être avocat. Et donc c'est le raisonnement par analogie en procédure civile, c'est la capacité en droit pénal à raisonner par étapes, c'est en droit civil
En l'occurrence, sur les 8 points, les étapes de qualification. Par exemple, en l'occurrence, sur les régimes matrimoniaux, c'était quoi? C'était de se dire, bah tiens, est-ce qu'à d'abord qualification du mariage? Est-ce que c'est, eh bien, les mariés sont mariés sous le régime de la communauté ou séparation de biens? Donc, il faut bien qualifier ça. Puis ensuite, qualifier aussi l'acte juridique du créancier pour savoir quel est son droit de gage. Et puis ensuite, il fallait qualifier bien après bien les biens des époux. Est-ce que c'était le bien du mari? Est-ce que c'était des biens achetés en communauté, etc., etc. Vous voyez, c'est ces étapes-là. Et ces étapes-là, on les travaille en séminaire de correction. Et c'est à force de faire des entraînements, on va voir que c'est vraiment la clé, en fait. La clé de tout ça, ce sont quand même les entraînements, le volume d'entraînement, l'intelligence aussi qu'on met dans les entraînements, et notamment dans les corrections, on va en parler juste après, qui fait qu'on devient extrêmement fort parce qu'on voit plein de situations différentes et que surtout, on sait que invariablement, c'est ça la méthodologie, c'est invariablement, je vais passer par cette étape parce que c'est comme ça que je traite le sujet, c'est comme ça que je traite tous les sujets. Et puis, deuxième chose, alors ça c'est le premier truc, les clés pour 2022, clairement pour réussir, c'est, eh bien, tout simplement, c'est l'actualité juridique. L'actualité, c'est quoi? C'est clairement le deuxième levier très important de contrôle en 2021. Si je vais être très schématique, c'est ça. Vous avez d'abord la méthodologie, le raisonnement par analogie, le raisonnement par étape, le chemin de fer, comme dit Mathieu Hy, notre professeur de droit pénal, c'est la qualification juridique en droit civil, etc., etc. Donc c'est vraiment la base de la méthodologie. Deuxième chose qui est vraiment ce sur quoi repose la compétence sur laquelle a reposé 2021, c'est la maîtrise de l'actualité juridique. Et c'est logique, et on va en parler juste après, mais c'est hyper logique. Vous comprenez bien que si vous voulez un examen, l'examen du CRFPA, et forcément, vous savez, quand vous allez dans le stage en cabinet d'avocat, la plupart du temps, quand vous arrivez dans la salle d'attente, vous avez des revues juridiques. Un bon avocat, forcément maîtrise l'actualité juridique. C'est indispensable. C'est presque ce que le client achète. Le client achète quoi? Eh bien, évidemment, une capacité de conseil, de raisonnement, incontestablement, mais aussi la connaissance de l'actualité juridique. C'est vraiment indispensable. Et donc, l'actualité juridique, c'est normal qu'en fait, pour sélectionner des futurs avocats, on sélectionne uniquement se seront intéressés à l'actualité juridique de l'année pourront passer. Donc vous voyez, c'est logique qu'une partie des points de chaque sujet va reposer sur la maîtrise de l'actualité. Par exemple, en procédure civile, je reprends l'exemple de procédure civile, il y avait une deuxième question sur 10 points sur la procédure d'appel. Donc il y a une question sur 10 points sur la saisine du tribunal judiciaire, une autre question sur 10 points sur la procédure d'appel, et là, clairement, il fallait connaître une jurisprudence de fin 2020 pour résoudre la problématique qui était posée. Donc vraiment, il fallait connaître la jurisprudence récente pour y répondre. Le droit international, par exemple, le droit international, pareil. Vous aviez 10 points en DIP sur Bruxelles 1 pour la compétence et Rome 1 pour la loi applicable. Et là, il fallait bien connaître l'actualité de ces domaines et maîtriser ces deux règlements pour aller suffisamment vite et pour avoir le temps de répondre de manière précise. Parce que c'est ça le sujet, les amis. Comme les sujets sont très longs, vous n'avez pas le temps, si vous voulez, de vous acculturer au sujet. Vous n'avez pas le temps, donc il faut avoir des réflexes de méthodologie. C'est-à-dire qu'invariablement, il faut que vous sachiez là où vous allez taper, etc., dans quel sens vous allez travailler. Donc vous n'avez pas le temps. Deuxième chose, il faut connaître les grandes bases. Par exemple, en droit international privé, Bruxelles 1, c'est obligatoire. Vous devez maîtriser Bruxelles 1, ce n'est pas possible autrement. Rome 1, c'est pareil, vous ne pouvez pas faire autrement. Eh bien, mais en plus de ça, on vous demande de maîtriser l'actualité de ces sujets qui sont des sujets de fond extrêmement importants. C'est normal que pour la procédure d'appel, les amis, on vous demande de maîtriser les jurisprudences de fin 2020 quand vous passez le CRFPA en 2021. C'est normal que vous soyez obligé de connaître la jurisprudence récente sur Bruxelles 1, alors que Bruxelles 1, c'est extrêmement structurant pour répondre à des questions de droit international. En droit administratif, là encore, nécessité pour les candidats d'être au fait de plusieurs jurisprudences récentes. J'en prends pour exemple la question 2 sur les ordonnances qui reposait sur un arrêt de décembre 2020 du Conseil d'État. Vous aviez une question aussi sur la question 3, c'était sur les menus de substitution dans les cantines. C'était donc un arrêt de décembre 2020, là, encore une fois, commune de Chalon-sur-Saône, qui était appelée par les étudiants. On était clairement sur des sujets d'actualité aussi. Autrement dit, les étudiants qui ont réussi cette année, c'est d'abord ceux qui maîtrisaient la méthodologie juridique, qui n'avaient aucun problème de méthodologie, qui connaissaient globalement les grands éléments du cours, qui n'ont pas fait d'impasse, qui connaissaient globalement très bien leur cours, c'est vrai, mais surtout, qui connaissaient très bien l'actualité de la matière. Voilà, donc l'actualité de la matière, très important pour vous cette année, il faudra faire ça. Nous, on le fait évidemment pour nos étudiants, on fait des fascicules d'actualité, donc on communique aux étudiants, en plus on range les arrêts par importance, avec un système d'étoiles, pour pondérer un petit peu l'importance. Encore une fois, nous, on est obsédé par l'efficacité pédagogique, on sait que le regard des étudiants ne doit pas être égal en fonction du thème.
en fonction de, je ne sais pas, de la partie du programme. Tout n'est pas égal, il faut tout voir, mais il ne faut pas tout voir avec la même intensité. C'est l'immense erreur parfois de certains polycopiers que je peux voir qui ne sont pas des polycopiers Objectif Barreau, où je me dis, mais comment est-ce qu'un étudiant peut faire pour connaître aussi bien, je ne sais pas moi, une sûreté totalement accessoire, voilà, quand vous travaillez les sûretés, le cautionnement, c'est 50% du programme, qu'on soit très clair. Donc la sûreté réelle de niche, on va la lire, il faut la connaître. Faut connaître globalement, mais on va pas passer 10 heures dessus, c'est pas possible. Vous voyez, vous n'avez pas le temps de toute façon. C'est pareil pour le droit, je sais pas moi, pour le droit pénal, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça, le fait de ne pas faire l'impasse n'exclut absolument pas le fait de hiérarchiser les connaissances. Le droit social, c'était quoi? C'était notamment un arrêt AFP de novembre 2020 qui était attendu sur la partie 1. Donc ça veut dire que clairement, là encore, pour résoudre certains éléments du sujet de droit social cette année, il fallait connaître cette jurisprudence de fin 2020. Donc la maîtrise de l'actualité, encore une fois, est une compétence transverse qu'il faut développer cette année, tout au long de l'année, ou si vous êtes en prépa, vous pouvez évidemment attendre les fascicules d'actualité qui sont souvent rendus au moment eh bien, du début de la prépa, hein, parce qu'en fait, voilà, ce travail de veille juridique, il est fait par d'autres que vous. Donc, vous gagnez énormément de temps, bien sûr. D'ailleurs, juste pour information sur le droit social, on a eu une année un peu particulière cette année, parce que tout simplement, cette année, le sujet a porté pour 50% sur les relations collectives. Alors, vous voyez, typiquement, ça, c'est, on est exactement là. Il fallait pas du tout, et notamment sur protection sociale. Donc, on avait une question de protection sociale, et 50% du sujet sur les relations collectives, alors que la plupart du temps, c'est 75% du sujet sur les relations individuelles. Et voilà, et en fait, vous voyez, Stéphane Vernac, qui est agrégé, qui est professeur chez nous, me disait encore ce matin que pour lui, il y a une vraie tendance autour des sujets liés à la sécurité au travail, à la santé au travail. C'est pour ça qu'on avait étudié cette année, je précise hein, d'ailleurs, droit administratif, tous les arrêts que vous avez là, tous les arrêts que vous avez là ont été traités chez Objectif Barreau. Donc tous les arrêts de droit administratif qui étaient là, notamment, ont été traités chez Objectif Barreau. Pareil pour le droit international, on a fait énormément de sujets sur bruxellin, romain, et toutes les jurisprudences qui étaient là étaient dans les polycopiés Objectif Barreau. Pareil pour la procédure civile sur la procédure d'appel, etc. Le droit social, c'est la même chose. Donc en fait, droit social, par exemple, la question de la santé au travail, on avait fait des jurisprudences sur le suicide sur le lieu de travail, etc., etc. Donc clairement, si vous voulez, on a eu nez creux cette année, encore une fois, mais comme chaque année, parce que notre travail de fond, on a un travail de fond et énorme sur les sujets, la constitution, la création des sujets qui nous prend un temps fou, mais qui est sans doute l'élément le plus important sur lequel on insiste énormément auprès des étudiants. Et puis la dernière chose qu'il fallait avoir fait cette année, et donc pour se préparer pour 2022, il y a trois choses à faire. Donc, la méthodologie, les bases de la méthodologie indispensables. Deuxième chose, l'actualité juridique. L'actualité juridique, vous ne pouvez pas, je dirais, vous faire l'économie de la lecture de l'actualité cette année, ou attendre évidemment un fascicule d'actualité qui vous est proposé par une prépa qui a fait ce travail de veille et de curation de contenu. Et puis la troisième chose, pour réussir cette année, ou l'année prochaine plutôt, en 2022, faut énormément s'entraîner. Les entraînements, c'est clairement l'une des clés pour réussir le CRFPA. Pourquoi? Parce que les entraînements, ça vous permet de vous confronter à un maximum de situations et de thèmes. Donc encore une fois, nous, on fait un travail énorme, si vous voulez, sur les sujets, pour avoir un taux de couverture très élevé, pour vous confronter à plein de situations différentes. Il faut aussi, très important, les entraînements, ce n'est pas que ça, ce ne sont pas que les sujets, ce sont aussi le fait de développer, c'est plutôt aussi le fait de développer une vision intelligente du cours. C'est-à-dire, il faut hiérarchiser les connaissances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les voies d'exécution. Les voies d'exécution, il faut le voir, donc ne pas faire d'impasse, mais pas le voir autant que la saisine du tribunal judiciaire, qui est plutôt une grosse tarte à la crème. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais aussi, et c'est ça qu'il faut développer, des vrais réflexes de méthodologie. Les vrais réflexes de méthodologie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que clairement, il faut ne pas voir le cours de façon, je dirais, comment je pourrais dire, il ne faut pas se dire que le cours, c'est une matière morte, si vous voulez. Ce n'est pas des notions qu'il faut apprendre. Il ne faut pas apprendre des notions cette année. Il faut toujours mettre en perspective la notion par rapport à la problématique qu'elle peut poser dans le cadre d'un cas pratique, dans le cadre du CRFPA. Donc, il ne faut pas se poser, il ne faut pas apprendre, si vous voulez, il faut connaître évidemment son cours, mais ce n'est pas uniquement une suite de définitions qu'il faut maîtriser. C'est ces définitions-là, cette situation-là peut provoquer quel problème? Par exemple, on sait très bien qu'en droit des obligations, la période précontractuelle, ce sont très souvent, il y a des questions autour de la rupture abusive des pourparlers. C'est une tarte à la crème. Donc il ne faut pas lire le droit sur la rupture abusive des pourparlers. Il faut se dire, si je tombe sur un sujet sur la rupture abusive des pourparlers, quelle doit être ma majeure? Quelle doit être ma mineure? Quelle doit être ma conclusion? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui est l'une des spécialités d'Objectif Barreau, c'est de faire des polycopiés qui sont orientés consultation, dans lesquels vous avez, à la fin de chaque chapitre ou chaque développement, vous avez des points cas pratiques qui vous disent, OK,
Très concrètement, ce paragraphe que tu viens de lire, ou ce chapitre que tu viens de lire, il appelle, je dirais, telle connaissance, mais ces connaissances-là, dans le cadre d'un cas pratique, comment on fait pour résoudre ce problème? Quel majeur on fait? Quel mineur est fait? Quelle situation peut poser problème? Et la plupart du temps, c'est comme ça qu'il faut traiter le sujet, etc., etc. La longueur et la diversité des sujets, les amis. Ah oui, donc les points cas pratiques, donc c'est extrêmement important pour nous. C'est dans tous les polycopiés Objectivara, on a des points cas pratiques qui ont été extrêmement utilisés. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit extrait de deux fascicules juste après. Mais c'est aussi des polycopiés. On va faire notamment un polycopié cette année chez Objectivara en droit des contrats un peu particulier qui va vous mettre en avant, si vous voulez, les majeurs types qu'il faudra faire dans des situations. On a fait l'inventaire des situations qui peuvent poser problème en vous mettant les majeurs types et surtout des outils qui vous permettent de développer des réflexes de méthodologie et ne pas avoir, encore une fois, à réfléchir, à se dire, ok, là, il y a des choses parce qu'il y a du temps à gagner. Parfois, vous avez des questions dans des sujets où il faut gagner du temps et il y a des moments où il faut plutôt prendre le temps. Et dans tous les sujets, il y a ça. Dans tous les sujets, vous avez des questions de cours déguisées où là, il faut, boum, avoir un réflexe. Et puis il y a des questions où là, il faut vraiment se poser, faut décortiquer les faits, et il faut se dire, ok, je vais faire trois étapes, etc., etc. Vous voyez, mais par contre, ça, c'est possible. Ces questions à 15 points, par exemple, en droit des obligations, ou des questions à 8 points, ou à 10 points sur procédure civile qui demandent vraiment un raisonnement, vous devez faire de l'économie du temps. C'est de l'économie du temps sur d'autres questions plus accessoires, plus rapides, etc. Vous voyez, donc c'est ça le sujet. C'est développer des réflexes, et en même temps, avoir le temps de développer un raisonnement. Mais pour ça, il faut gagner du temps sur les autres questions qui sont plus simples, en fait, tout simplement. Et puis, la longueur et la diversité des sujets imposent, d'une part, de ne faire aucune impasse, donc ça, vous l'avez compris, donc en civil, en affaires, en fiscal, en social, d'anticiper le CRFPR, parce que c'est ça le sujet aussi. Je vous l'ai dit, en fait, les sujets cette année étaient très larges, très, très profonds, hein. Clairement, il fallait connaître les grands éléments de chaque cours, et donc vous n'aviez pas le temps trop de réfléchir, etc. Vous ne pouviez pas chercher, par exemple pour les questions de cours déguisés, je dirais, vous n'avez pas le temps de chercher. Il faut avoir, si vous voulez, globalement le mécanisme en tête et le délivrer tout de suite. Si vous commencez à... Il faut connaître bien son cours, en fait. Il faut clairement connaître bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut un peu anticiper cette année, dans la mesure du possible. Je sais qu'en face de moi, j'ai des étudiants qui sont en M1, des étudiants qui sont en M2, les réalités sont très différentes. Il y a même des étudiants qui passent un an, qui prennent un an pour préparer le CFPA. Donc, dans la mesure du possible, il faut qu'en cours d'année, vous commencez un petit peu à travailler en respectant un principe de progressivité et d'adaptation par rapport à votre situation. Je ne vais jamais dire à un étudiant, vous pouvez être en M1, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est que d'ailleurs les taux d'admission entre les M1 et les M2 n'est absolument pas différent, c'est vraiment le même taux d'admission. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que si j'ai un étudiant en M1 qui n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, je ne vais pas lui dire de travailler 10 heures par semaine de sa RFPA pendant l'année, c'est complètement débile, surtout que ça ne sert à rien, puis surtout il n'aura pas le temps de le faire. En revanche, si vous êtes en M2 et que vous avez un peu de temps, etc., il faut un peu commencer à travailler en cours d'année, parce que ça ne fait pas de mal. Et c'est ce qu'on fait nous chez Objectivara, parce que vous avez, pour chaque préparation qu'on fait, on a une préparation annuelle qui, elle, je dirais, est clairement à destination de ceux qui ont pris un an pour préparer le CRFPA, mais on a aussi des préparations donc estivales avec à distance ou en présentiel en classe, avec des options d'anticipation qui vous permettent de commencer plus tôt dans l'année et pour vous familiariser notamment avec le programme et qui vous donne clairement ce vernis-là qui va faire en sorte que vous allez anticiper, donc plus intégrer, mieux intégrer en cours d'année les concepts. Alors les entraînements, c'est l'une des spécialités, si vous voulez, d'Objectivara. Les entraînements, encore une fois, je vous le dis, c'est ce qui fait que chez Objectivara, on travaille énormément. Il y a des réunions pédagogiques qui se font extrêmement régulièrement entre les professeurs. On prend un temps fou pour faire en sorte que les entraînements chez Objectivara soient les plus réalistes possibles par rapport à ce sur quoi vous allez, enfin plutôt par rapport au sujet. Donc c'est le plus fidèle possible par rapport au sujet sur lequel vous allez tomber sur l'édition prochaine. Donc par exemple en 2022, tous nos sujets 2022, ou en tout cas qu'on va développer en 2022, doivent ressembler pour nous le plus possible à ce sur quoi vous allez tomber en 2022. Donc très concrètement, comment on fait? D'abord, évidemment, il y a l'analyse de l'actualité juridique. Pourquoi? Parce que les sujets, on le voit, reposent sur l'actualité juridique. Deuxième chose, on fait un énorme travail sur le taux de couverture de la matière. On essaie de tout couvrir globalement, même si on ne va pas vous poser autant de questions sur, par exemple, les voies d'exécution en procédure civile par rapport aux modes alternatifs de règlement des conflits ou la saisine du tribunal judiciaire. On va aussi énormément travailler par rapport à l'identification de celui qui rédige le sujet. On sait qui rédige le sujet, par exemple, de droit des obligations. On sait qui les rédige. Donc, on va chercher, et c'est ce qu'on fait chaque année, les professeurs vont chercher, donc chaque professeur, dans son domaine, va chercher
les publications des rédacteurs de sujets pour faire en sorte que les sujets qu'il va faire chez Objectif Barreau ressemblent le plus possible à la sémantique, à la façon de faire et je dirais aux préférences thématiques de rédacteurs de sujets. On a une vision extrêmement réaliste chez Objectif Barreau, c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on fait en sorte que nos étudiants soient le plus préparés possible pour qu'en fait, ça soit presque un galop d'essai d'arriver au CRFPA, parce que quand vous aurez fait les 9 entraînements chez Objectif Barreau, les 9 barreaux blancs, vous aurez passé, si vous faites les 9 barreaux blancs chez nous, par exemple, eh bien, si vous arrivez après le jour du barreau, bah, vous aurez fait, c'est un 10e barreau blanc Objectif Barreau. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on n'ait aucun contraste entre ce que vous allez, ce sur quoi vous avez terminé en septembre, et ce sur quoi vous avez travaillé pendant l'été. Et c'est ce qui fait que nos étudiants réussissent. Deuxième chose aussi très importante, on est une prépa complètement orientée entraînement. On fait notamment, et on est la seule prépa à le proposer, des corrections de copies en vidéo. Les corrections de copies en vidéo, c'est extrêmement puissant pédagogiquement. Tous les étudiants qui sont chez Objectif Barreau ont chacun 2 corrections de copies en vidéo par matière. Donc vous voyez, vous avez 8 corrections de copies en vidéo qui sont... C'est quoi une correction de copies en vidéo? C'est tout simplement un cours particulier d'un correcteur officiel qui va vous, en fait, qui va très simplement prendre votre copie, qui va se filmer en corrigeant votre copie et qui va dire à haute voix ce qui va et ce qui ne va pas. Et là, vous voyez, vous avez un vrai... Il y a un dialogue pédagogique qui s'engage avec le correcteur, puisqu'en fait, le correcteur se filme et donc pendant 15 minutes, vous comprenez quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris pendant des années. Autrement dit, on sait tous ce que c'est qu'une correction qui est un peu lacunaire. Une correction qui est lacunaire, vous savez, on a tous eu en TD des profs qui nous mettaient développer dans la marge, et puis en fait, il y a marqué 8 sur 20, et puis il y a marqué pas assez loin, puis développer, puis pas clair, etc. Mais en fait, ça, avec ça, on ne fait rien. Alors qu'en réalité, la copie, elle a énormément, c'est une mine d'informations pour vous faire, pour vous permettre de vous développer et d'actionner des leviers objectifs qui vous permettent de prendre un niveau. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux étudiants d'avoir accès à la psychologie du correcteur en permettant à des étudiants d'avoir un correcteur d'un IEJ qui corrige sa copie et qui dit à haute voix, bah voilà, salut Mickaël, bah voilà, là je suis sur ta première question, voilà ce qui n'allait pas, voilà ce que ton syllogisme n'est pas bien, t'as pas passé les étapes du raisonnement comme il fallait, etc., etc., etc. Et ça crée un effet extrêmement bénéfique pour les étudiants parce qu'ils comprennent enfin ce pourquoi ils ont perdu des points ou voilà, et c'est ça qui fait que les étudiants ensuite réussissent leurs épreuves. Vraiment, on a un étudiant qui nous a dit un jour, maintenant que j'ai vu ma première copie corrigée en vidéo, je ne travaillerai plus jamais de la même façon. Et c'est vrai, la correction de copie en vidéo, c'est extrêmement puissant. Je vous en diffuse un extrait, par exemple, d'une correction de copie en vidéo, et on se revoit juste après. Ça va durer même pas 20 secondes, 30 secondes. À tout de suite. L'article 1109 du Code civil, c'est très bien. On commence par une majeure bien construite. C'est important hein, à chaque fois d'avoir une majeure avec les bons articles et les bons textes s'il n'a été donné par erreur, s'il a été extorqué. C'est très très bien là, c'est très 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 bien de citer tout de suite l'article 1118 du Code civil sur la lésion. Petite précision, hein, ce cas pratique est réglé sous l'ancien droit, donc tous les textes sont les anciens textes du Code civil. Donc ne vous étonnez pas de retrouver encore l'article 1118. Mais c'est très bien parce que la copie appréhende le sujet tel qu'il était orienté et nous explique tout de suite qu'elle exclura ce motif. La lésion n'est pas en principe un vice du consentement, c'est très bien, susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Très bien, donc on explique qu'on écartera. Voilà, donc vous voyez un exemple de correction de copie en vidéo, c'est extrêmement, vous comprenez à quel point ça peut être extrêmement puissant pédagogiquement parce que c'est une vidéo que vous allez pouvoir revoir autant de fois que vous voulez et surtout, à la fin de cette vidéo, vous pouvez poser une question à votre correcteur. Ça, on est la seule prépa qui propose ça, où quand vous avez une question sur une correction que vous n'avez pas compris, eh bien vous pouvez communiquer avec votre correcteur qui peut vous répondre en fait et qui peut répondre sur la question que vous lui avez posée. Donc c'est extrêmement puissant pédagogiquement. Deuxième chose aussi, l'obsession de chez Objectif Barreau, c'est l'efficacité pédagogique. L'efficacité pédagogique, c'est quoi? C'est que toute l'année, vous devez, même dès que vous avez nos polycopies entre les mains, eh bien vous devez gagner du temps. Ne pas en perdre, donc il faut qu'il n'y ait aucune erreur dans les polycopies, et ça on fait un travail énorme dessus, et surtout en gagner du temps, parce que vous n'avez pas le temps, et surtout que l'idée c'est que une heure, et c'est ça, c'est quoi l'efficacité pédagogique, c'est que une heure passée sur un polycopier Objectif Barreau doit être une heure à fort rendement, un rendement qui est supérieur à un poly de n'importe quel autre prépa, ou un bouquin typique, enfin voilà, édition CRFPA par exemple, que vous pourrez trouver dans le commerce. On fait en sorte que nos polycopiers soient profilés entraînement et consultation, et on ne veut pas que vous perdiez du temps, et surtout, encore une fois, une heure passée dessus doit être une heure à forte productivité. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai, par exemple,
Exemple, dans tous les polycopies objectifs barreaux, vous avez des exemples cas pratiques. À la fin de chaque développement, vous avez une mise en situation de la question qui est posée. Par exemple, là, je vous ai pris un exemple en droit de l'UE. Ça, c'est un extrait du polycopier de droit de l'Union européenne. Vous avez la question d'une contestation de la constitutionnalité de la transposition d'une directive sur le principe de précaution. Et là, vous avez un professeur qui vous dit, voilà, le point méthode. Bien qu'il existe des doutes et des critiques quant à la validité de la solution trouvée par le juge français, elle doit constituer votre trame d'analyse pour l'examen, dans l'hypothèse où un cas pratique porterait sur une telle situation. Il importe de restituer, nous dit notre professeur Étienne Durand, qui est notre professeur de droit de l'Union européenne, dans l'ordre, les différentes étapes décrites ci-avant, à savoir. Et donc, voilà, il vous dit les étapes. Notre professeur vous dit, ben voilà, ça, typiquement, c'est un thème que j'aborde dans mon polycopier, mais ce thème-là, il n'a rien, il n'a aucun intérêt de façon morte. Et cette problématique, ce thème-là, il doit être abordé dans une version dynamique. Et cette version dynamique, c'est celle-ci. Voilà les étapes du raisonnement qu'il faut absolument franchir. Vous voyez, il vous dit, étape 1, rappeler l'obligation qui pèse sur l'État de transposer. Étape 2, en présence d'une mesure de transposition, il faut ensuite s'interroger sur l'objet du contrôle demandé. S'agit-il de contrôle de la conformité de la loi, etc. Pareil en exemple de procédure pénale. Un exemple de procédure pénale, vous avez là des objectifs qui sont pratiques, c'est encore une fois, ce sont des extraits eh bien, du polycopier de procédure pénale, où là vous avez des questions comme la synthèse, par exemple sur le placement en garde à vue, vous avez la synthèse des points les plus importants à vérifier concernant le déroulement de la garde à vue. Vous avez par exemple la qualité de la personne ayant placé à vue le suspect en garde à vue, l'âge de la personne placée en garde à vue, et par conséquent le régime qui s'y applique. 3, que les faits reprochés à la personne placée en garde à vue soient d'une certaine gravité, crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement, etc. Un autre exemple, juste en dessous, vous avez une illustration avec la question, la saisine de la juridiction est cruciale. Par exemple, il vous dit sur un développement, en effet, dans un cas pratique, il faut toujours s'intéresser aux faits mentionnés dans la prévention de l'acte de la saisine de la juridiction. Et donc, vous avez illustration, une convocation. Et voilà, on vous explique aussi même la majeure. Ici, vous avez même la majeure qui vous est communiquée par Gabriel Duminil, qui est notre professeur de procédure pénale, qui est un très grand professeur de procédure pénale. C'est un ancien secrétaire de la conférence. Il est docteur en droit. Et ça fait 4 ans qu'il est professeur chez Objectif Barreau. Il est exceptionnel, il est adoré des étudiants. Et ce prof de procédure pénale, il met dans son polycopie, il met les majeurs, il met les mineurs, il met les conclusions. Il vous mâche le travail pour que vous gagniez du temps. Là, encore une fois, l'objectif pour nous, c'est que vous gagniez un maximum de temps. Ce qui fait la différence donc, avec chez Objectif Barreau, d'abord, c'est le fait, la qualité des entraînements et des corrections. On est obsédé par ça, la fidélité des entraînements par rapport à la réalité de l'examen, et puis la qualité des corrections avec les corrections de copie vidéo, avec ce dialogue pédagogique qui s'engage avec les étudiants. L'efficacité pédagogique de tous les contenus, ça je vous le dis, c'est clairement l'un des éléments forts de la préparation. Et puis la troisième chose, évidemment, c'est la qualité des enseignants. Les enseignants chez Objectif Barreau, ce sont tous des sur-spécialistes de la matière. Ils ont accompagné depuis des années des milliers d'étudiants dans la réussite du CRFPA. Ils connaissent par cœur leur matière au CRFPA. Ce sont des professeurs qui ont développé aussi des recettes, des méthodes spécifiques qui permettent à nos étudiants de réussir mieux que les autres. Ce sont des professeurs aussi qui, je dirais, ont la passion des matières et qui sont passionnants, en fait, tout simplement. Donc moi, je vais vous montrer un exemple, et on se retrouve dans quelques secondes, un exemple, une illustration de ce que c'est un professeur. Il y a vraiment une logique, en fait, il y a une philosophie des procédures collectives. On ne peut que s'interroger sur sa responsabilité pénale, sauf que cette phrase est un abus de langage. La clause est par principe pas valable. Alors Pauline, qui a toujours des questions très pointues. Normalement, c'est dans le sens inverse, Marianne. Oui, l'article 1425-1 te laisse pas doute là-dessus. C'est très important quand même pour votre programme. Elle ne marche pas en binôme, ces infractions. Ton objectif étant à chaque fois d'essayer de montrer les équilibres qui sont dégagés. Il faut vraiment envisager toutes les responsabilités possibles. Parce que c'est comme ça dans une réconsultation. Attendez, j'ai une question de Marie. C'est normal que vous ayez hésité sur certaines solutions, puisque la jurisprudence elle-même hésite. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, Pauline. Vous voyez déjà, si vous avez relevé cette confusion, c'est que vous avez de bons réflexes et que vous vous posez les bonnes questions. Ah, super, Pierre-Yves. L'objectif, c'est aussi que vous vous mettiez à la place du correcteur. Dernière précision pour que Amandine ait la réponse complète. Je suis dur pour que vous soyez rigoureux, en fait. C'est ce qui va vous distinguer justement de vos camarades. J'aimerais que vous fassiez partie des étudiants qui, à la fin, se diront « Chouette, il y a un sujet en régime matrimoniaux, je gère. » Bon courage à vous pour vos révisions. Et puis, sans doute, à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, vous voyez un petit peu la qualité des professeurs chez Objectif Barreau. Ce sont des professeurs qui sont entraînants, qui sont aussi... vous voyez aussi une autre chose que vous voyez là. Là, ce sont typiquement les cours... Les séminaires de correction, par exemple, ou les focus techniques qu'ont les étudiants à distance. Quand vous êtes étudiant à distance chez Objectif Barreau, ce ne sont pas des cours en classe qui sont filmés de loin, avec une caméra de loin. Non, nous, nos cours à distance sont tous des cours qui sont filmés exactement comme ça, ou comme ce que vous vivez en ce moment. C'est-à-dire des cours où vous voyez le professeur, où il vous communique, il parle avec vous, il échange avec vous sur le chat, etc. Donc c'est vraiment l'immense différence aussi, c'est que notre
préparation à distance, ce n'est pas une préparation en classe filmée, donc une préparation à distance dégradée par rapport à la préparation en classe, c'est aussi bien que la préparation en classe, c'est ça qui fait la différence. Je vois les questions. Est-ce que Clotilde me pose la question, est-ce que les étudiants d'Objectif Barreau ont tous un tuteur affilié, même ceux qui sont à distance? Clotilde, les étudiants à distance renforcés ont tous un tuteur. Donc il faut prendre l'option renforcée pour avoir le tuteur à distance. Tous les étudiants en classe à Paris ont un tuteur. Tous les étudiants à distance renforcés ont un tuteur. Les étudiants qui sont juste avec la préparation à distance classique n'ont pas de tuteur attitré. Mais, et c'est ça le sujet, c'est que l'immense différence avec l'Objectif Barreau par rapport aux autres prépas, c'est que nous on fait, je vous jure, enfin vraiment, je ne peux pas vous dire autrement, allez voir de toute façon les commentaires des étudiants sur les réseaux, allez voir même sur notre site internet, on le met. On est obsédé par, je dirais, l'encadrement des étudiants. Même un étudiant à distance classique qui n'a pas de tuteur affilié pourra appeler la prépa. Et nous, en fait, on a des tuteurs en interne pendant l'été qui rappellent les étudiants qui sont un peu stressés. On fait ce travail du tutorat, mais ce n'est pas un tuteur attitré pendant l'été pour les étudiants à distance qui ont pris juste classique. Voilà, donc c'est uniquement pour les étudiants à distance renforcés que vous avez un tuteur chaque semaine, qui est un tuteur, pour rappel, qui a fait votre spécialité l'année dernière. C'est-à-dire que c'est un étudiant de l'école du barreau. C'est quoi un tuteur? C'est un étudiant de l'école du barreau, un étudiant qui réussit CRFPA en 2021, donc autant vous dire qu'il y a un bon niveau, et qui a validé le CRFPA dans votre spécialité. On ne va pas mettre un pénaliste avec un étudiant qui a fait droit administratif, vous voyez, typiquement. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, les conseils qu'il va vous donner pendant l'été, ils vont être beaucoup plus percutants, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, vous êtes passé pénal au CRFPA, vous avez un étudiant de pénal qui vous soutient tout l'été, qui a réussi pénal l'année dernière, et forcément, ces conseils vont être beaucoup plus pertinents. Ok, voilà. Alors, donc, je vois que Objectif Barreau répond à certaines questions, donc ça c'est très bien, merci beaucoup pour l'aide, c'est trop cool. Alors, les questions à se poser. Alors, oui, la qualité des enseignants, donc là-dedans vous avez des profs exceptionnels, enfin, je veux dire, interrogez vos amis qui étaient chez Objectif Barreau, Taklit Boujelsi, exceptionnel, Gabriel Duménil, exceptionnel, Étienne Durand qui a fait le fascicule de l'Union Européenne, il est fou, Benoît Chafoy, Antoine Nachim, Stéphane Vernac, voilà, on a des professeurs qui sont exceptionnels et qui ont tous développé une recette, une méthode qui permet aux étudiants de gagner des points extrêmement précieux, qui permet à nos étudiants d'avoir des notes propulsantes aux examens et surtout qui permet à la prépa d'avoir des taux d'admission qui sont sans commune mesure avec les autres prépas. Voilà la différence. Et puis la quatrième chose, je ne l'ai pas dit ici, mais c'est vraiment l'accompagnement. On est obsédé par la réussite de nos étudiants et surtout par l'encadrement et l'accompagnement de nos étudiants. On fait attention à ce que tous nos étudiants, même les étudiants à distance qui ont choisi la formation à distance classique, donc qui ont payé moins cher, on s'en fiche complètement chez nous. On fait extrêmement attention à ce que chaque étudiant soit satisfait, chaque étudiant ait sa réponse à sa question. Tout l'été, on passe l'été avec des conseillers pédagogiques qui répondent aux questions des étudiants. On ne veut pas qu'une question soit sans réponse plus d'un certain temps. On sait que vous ne devez pas être bloqué sur une question. Donc voilà, on fait en sorte que tous nos étudiants trouvent des réponses rapidement. Les questions à se poser. Merci Nathalie qui nous dit « Je confirme, tous les enseignants sont top, c'est trop sympa. » Merci Nathalie, qui doit être une ancienne étudiante d'Objectif Barreau, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Les questions à se poser, alors maintenant, les questions à se poser, les amis. Bon, la question, c'est évidemment, devez-vous passer le CRFPA cette année? Vous l'avez compris, c'est pas parce que 2021, ça a été une année de régulation, que 2022, ça va être l'année de la fête du slip. C'est pas forcément, je ne dis pas ça. En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est une année qui ne doit pas être considérée comme étant... Elle est normative au sens où, en fait, elle nous enseigne énormément de choses sur par exemple, le fait qu'on est maintenant invariablement dans les sujets des questions de réflexion. Donc, ça impose la maîtrise de la méthodologie. On sait aujourd'hui qu'il faut absolument maîtriser l'actualité et les arrêts importants de l'année sur les thèmes tarte à la crème. On sait qu'il faut passer beaucoup de temps sur la méthodologie, la méthode sur les séminaires de correction. On va développer la méthodologie. Il faut passer beaucoup de temps sur l'actualité. Mais on le sait aussi, c'est une année qui a été difficile. Il n'est pas impossible que l'année prochaine, ça soit... la même chose, même si on pense quand même que l'année 2021, c'était une année c'est un coup de butoir. Mais la réalité, c'est que 2022, il faut s'y préparer à l'aune de 2021. Et 2021, c'est un cran au-dessus par rapport aux autres années. En revanche, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que vous devez le passer cette année ou pas? On a toujours cette question parce qu'on a des étudiants qui sont en M1, qui sont candidats au CRFP en M1 et qui nous disent souvent, je n'aurai pas le temps cette année, j'ai un M1 très chargé, un mémoire à rendre. Alors ça, j'ai une réponse qui est très claire pour vous, mes chers amis, qui sont en M1. Il n'y a pas de différence, de delta, entre les étudiants qui sont en M1 et en M2 s'agissant du taux d'admission. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants qui sont en M1
réussissent aussi bien que les étudiants qui sont en M2. Et pourtant, on peut se dire, le M1, quand on a un M1, par exemple, le droit privé général, le droit des affaires, ou même n'importe quel M1, c'est très chargé, parce qu'on a parfois trois matières fondamentales avec trois TD par semaine, etc. C'est très compliqué. Eh bien, en réalité, les étudiants en M1 réussissent très très bien. Mais après, on peut l'expliquer. C'est aussi, on est presque plus proche de l'année où on avait étudié le droit de l'aviation, donc la L2, que les étudiants de M2. Parfois, on a eu aussi une année dans laquelle on a étudié, par exemple, si on fait un M1 dans des affaires, bah forcément, on a étudié pendant l'année procédure collective, droit bancaire, donc tout ce qui est instrument de paiement de crédit, lettre de change, cession d'AI, billets à ordre, etc. On l'a étudié pendant l'année, donc on est un peu plus frais. Vous voyez, c'est des sujets comme ça qui font que les M1 réussissent aussi bien que les M2. Voilà, donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de travailler à fond pendant l'année. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, en revanche, c'est que c'est vrai, il faut globalement bien connaître les fondamentaux du cours, et ça, il faut essayer de le travailler un peu pendant l'année, mais dans la mesure du possible. Encore une fois, moi, j'ai des étudiants qui travaillent pendant l'année et qui réussissent le CRFPA. Il n'y a aucune limite. La seule chose, c'est vrai, c'est que si vous avez du temps, par contre, c'est coupable. Enfin, je trouve que c'est une erreur. Quand vous avez du temps pendant l'année, parce que vous avez un M2 un peu cool, etc., c'est une erreur de ne pas travailler un tout petit peu de façon anticipée. Mais travaillez un petit peu en respectant le principe de progressivité. Il est hors de question, même si vous avez du temps, de travailler sur 10 heures par semaine dès le mois de décembre. Ça serait une erreur. C'est une erreur stratégique. En revanche, est-ce que consommer un peu de contenu pendant l'année tel que nous on le propose avec la préparation anticipée, bien ça c'est très bien la préparation anticipée, hein, vous avez des fondamentaux du programme en vidéo, vous pouvez rendre trois copies de notes de synthèse, vous avez accès au polycopier en version numérique, au polycopier 2021, vous voyez, vous commencez si vous voulez à rentrer dans la matière un petit peu, et ça c'est toujours très utile. Devez-vous le passer cette année, donc en M1 on a aucune chance, c'est complètement faux, c'est ce que j'ai dit. Bon, je vais essayer d'objecter sur chaque situation, mais on a aussi cette question, les étudiants qui nous disent, si je le passe cette année et je le rate, j'utilise une de mes cartouches, parce que vous savez, vous pouvez passer que trois fois le CRFPA, vous utilisez une cartouche et donc c'est mauvais. Moi, je vous le dis, c'est une immense erreur de calcul. Pourquoi ? Parce que déjà, très, très important, ça c'est un détail, mais c'est un détail très important, le fait de s'inscrire à l'IEJ ne vaut pas inscription au CRFPA, ne vaut pas passage du CRFPA. Donc inscrivez-vous à l'IEJ, ça c'est si vous n'avez pas de problème, je dirais, financier, que votre IEJ ne coûte pas très cher, ou en tout cas que voilà, vous pouvez assumer le coût financier de l'inscription à l'IEJ, faites-le, inscrivez-vous sans tarder du tout. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que l'inscription à l'IEJ ne vaut pas passage du CRFPA. Pour passer le CRFPA, pour être considéré comme ayant passé le CRFPA, donc avoir cramé une chance, si j'ose dire, il faut avoir émargé à l'un des examens du CRFPA. Donc clairement, si vous n'avez pas émargé, si vous êtes inscrit à l'IEJ, vous pouvez vous inscrire 45 fois à l'IEJ. Si vous passez jamais l'épreuve de notes de synthèse ou de l'obligation, en fait, vous n'êtes pas considéré comme ayant passé le CRFPA. Donc vraiment, il n'y a aucune question à se poser, sous réserve que l'inscription ne vous pose pas de problème d'un point de vue financier, inscrivez-vous à l'IEJ. Pourquoi ? Parce que même si vous n'êtes pas sûr de vouloir le passer, parce que moi, je vous le dis, je ne veux pas que vous soyez dans la situation qui est hyper déprimante pour les étudiants, qui chaque année, moi, les étudiants me disent, en fait, mon désir de passer le CRFPA, il est monté. Il s'est développé pendant l'année. Et c'est normal, nous sommes des organismes vivants, on est influencé aussi par ses amis, on voit par mimétisme, on se dit tiens, j'ai mon pote qui veut passer le CRFPA, moi aussi ça me tentait pas trop, mais là je suis en train de voir mes copains qui s'organisent, etc., qui s'inscrivent en prépa. En fait, votre désir de passer ou pas le CRFPA, il va monter cette année, il va changer. Et puis vous allez voir que pendant l'été, vous n'aurez plus du tout envie de passer le CRFPA, et c'est normal. Ça sera normal, et c'est là où nos podcasts sur la gestion du stress vont vous aider, et même sur nos vidéos en live sur la gestion du stress vont vous aider à y voir beaucoup plus clair et surtout à mettre en perspective tout ça. Et puis on fait aussi des lives, vous savez, toutes les semaines, on fait des lives mots de la prépa, où vraiment c'est un grand moment où on se retrouve avec les étudiants, on parle d'autres choses que du CRFPA, on met en perspective. Vous savez, par exemple, chez Objectif Barreau, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est que nos étudiants ont accès à la moyenne de l'ensemble des étudiants. Par exemple, quand on a pris une tôle en droit pénal, par exemple, au sujet numéro 4, au cœur de l'été, on est fatigué, on arrive sur sa plateforme correction, et là, on voit que l'ensemble des copies Objectif Barreau en droit pénal a pris un 5 sur 20. Là, vous voyez, votre 7, vous le voyez différemment. Vous voyez, donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on fait, qu'on propose avec la moyenne de l'ensemble des notes de l'ensemble des étudiants Objectif Barreau, ça vous met en perspective par rapport à ça. Tout simplement pour vous dire que, il faut s'inscrire à l'IEJ. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que vous soyez dans la situation d'un étudiant qui se dit j'ai envie de passer le CRFPA, mais j'ai perdu. Je ne peux plus m'inscrire à l'IEJ parce que l'inscription à l'IEJ, c'était en janvier. Et donc là, on est en mars, c'est plus possible, je ne peux plus m'inscrire à l'IEJ. Donc inscrivez-vous à l'IEJ, même si vous n'avez pas forcément envie de passer le barreau, inscrivez-vous. Parce que, encore une fois, vous regretterez de ne pas y être inscrit si, voilà. Je ne serai jamais prêt. Ça, c'est le. Alors,
C'est vraiment mon objection préférée, je vous le dis tout de suite. Parce que les amis, vous ne serez, écoutez-moi bien, jamais prêts. Jamais prêts. Vous ne serez jamais prêts. Jamais prêts. Il faut assumer ça. Personne, écoutez-moi bien, c'est très important, je pense que c'est l'élément le plus structurant du live presque. C'est parce que c'est presque une leçon de vie. Vous ne serez jamais prêts. Personne n'est jamais prêt pour rien. En fait, si je prends sur 100 étudiants qui préparent l'ENA, ou même qui préparent l'ENM, peu importe, ou même qui sont le jour de l'examen, je vais devant, je dirais, la salle d'examen. Je demande à chaque étudiant s'il est prêt. Zéro vont me dire oui. Tout le monde va me dire, ah, mais en fait, en pénal, c'est vrai que cette partie-là, je la connais, je la maîtrise un peu moins bien, etc. Note de synthèse, tu vois, ma note de synthèse, j'ai 8. Je me sens pas... En fait, tout le monde y va. Les gens qui y vont sont des gens qui doutent. C'est normal de douter. Donc vous allez douter toute l'année. Vous allez douter même la veille du CRFPA. Vous ne serez pas complètement prêt parce que c'est impossible d'être complètement prêt. Donc faites le deuil de votre préparation. Même quelqu'un qui s'aligne sur du 100 mètres, si vous voulez, à la finale des Jeux Olympiques, il va vous dire, bah ouais, j'ai une petite blessure là, au ménisque, et puis machin. Mais tout le monde, tous les champions olympiques du 100 mètres étaient blessés en commençant le 100 mètres, si vous voulez. Donc vous, c'est la même chose. Donc faites le deuil d'une préparation parfaite. Ça n'existera jamais. Et la vie, c'est assumer et le fait de ne pas être prêt et d'y aller quand même. Et ça s'appelle le courage. Et ça s'appelle le courage terriblement humain parce que la plupart du temps, les gens font ça. Donc vous ne serez jamais prêt, de toute façon, à 100%. Et donc, il faut assumer cette charge mentale-là. Si vous pouvez l'assumer, allez-y. Mais de toute façon, même si vous passez 3 ans pour participer à le CRFPA, il y a bien des zones du cours que vous maîtrisez moins que les autres. C'est tout. Parmi les admis au CRFPA, combien? Alors ça, c'est une étude qu'on fait chaque année auprès de... L'année dernière, c'était 600 étudiants, je crois, du CRFPA, donc, qui étaient chez Objectif Barreau ou pas chez Objectif Barreau. Hein. Donc, on a demandé aux étudiants qui étaient en prépa, pas en prépa, etc. Et donc, on a demandé parmi les admis au CRFPA, donc on a demandé dans les 600, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 400 admis ou 300 admis. Et on leur a demandé, donc on a uniquement filtré les réponses sur les admis. Parmi les admis au CRFPA, combien le passaient pour la première, deuxième ou troisième fois? Vous aviez 70% des étudiants qui les passaient pour la première fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il n'y a pas, je dirais, de règles. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les conditions qui seront les vôtres cette année seront des conditions qui ne se réuniront plus jamais ensemble. Vous savez, ça paraît fou, mais c'est vrai. Lorsqu'on est, par exemple, personnel navigant commercial chez Air France, par exemple PNC, et qu'on est donc steward, je crois que la probabilité de tomber sur le même équipage, vraiment le même équipage, donc les mêmes autres PNC, les mêmes pilotes, etc., chez Air France, est de 1 pour 10 000. Et bien, c'est exactement la même chose de CRFPA. Si vous le passez cette année, vous allez tomber sur des sujets et des correcteurs qui seront la composition de ce mix sujet-correcteur qui fait vraiment le CRFPA, hein, qui fait qu'on l'a ou pas, hein, clairement. Ça ne se reproduira plus jamais. C'est-à-dire que potentiellement cette année, au CRFPA 2022, vous allez tomber sur l'année où, en droit des obligations, vous allez tomber sur la question à 8 points sur laquelle vous maîtrisez parfaitement. Et vous allez peut-être tomber sur le sujet en droit pénal, sur le correcteur en droit pénal qui va être le plus cool de toute l'histoire de l'IEJ. Etc, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans chaque année, chaque édition, il y a des éléments favorables et des éléments défavorables. Mais peut-être que cette année, au CRFPA 2022, eh bien, la somme des conditions favorables ne se réunira plus jamais pour vous de la même façon. J'en prends pour exemple le fait que moi, j'ai beaucoup de copains qui préparaient à l'époque où j'étais encore dans les préparations de concours juridiques, qui préparaient l'ENM et qui avaient été admissibles la première fois. Ils l'ont passé deux autres fois ensuite et qui n'ont plus jamais été admissibles. Ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est là où la courbe d'expérience s'arrête à un moment donné. C'est là où en fait le fait de passer 3 fois n'augmente pas. Évidemment que ça apporte du confort, vous maîtrisez mieux les concepts. C'est évident quand vous passez pour la 3e fois, vous êtes quand même. Enfin, normalement, vous avez plus de chances de l'avoir, évidemment. Mais la réalité, c'est que moi j'ai des copains qui étaient admissibles à l'ENM une année, et puis d'autres années, plus jamais admissibles. Ça veut dire que les conditions les plus favorables pour eux, c'était la première année. Et donc il faut tout jouer à chaque fois. Jouer comme si en fait il y avait comme si on rebattait les cartes chaque année, comme si on le faisait pour la première fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette année, c'est peut-être votre année par rapport à l'année 2023 ou 2024, tout simplement. Donc il faut vraiment jouer à fond cette année, jouer sa chance jusqu'au bout. Quelle spécialité, quelle procédure choisir? Alors je vous le dis, hein, quelles ont été les spécialités, les matières de procédure choisies. L'année dernière, en 2021, le droit pénal qui était en tête, le droit des affaires en 2, le droit civil en 3, le droit international, c'est la dernière spécialité choisie, même après le droit fiscal. Mais ça, c'était, je vous le dis, c'était à l'échelle de nos étudiants. Alors nos étudiants, ils sont quand même assez nombreux, je suis obligé de le dire, mais c'est ce qui fait notre succès. On a évidemment une croissance du nombre d'étudiants chaque année, évidemment. Mais la réalité, c'est que voilà, c'est une répartition qui est celle-ci.
Attention, ne faites pas le calcul en vous disant « Ah, en droit pénal, il y a beaucoup plus d'étudiants, donc je ne vais pas faire droit pénal au CRFPA ». Immense erreur de calcul et d'analyse, parce qu'en réalité, ce n'est pas, vous ne pourrez pas vous dire, par exemple, en droit pénal, ma copie, eh bien, je vais être comparé à un plus grand nombre d'étudiants, alors qu'en droit international, je vais être un petit peu plus unique. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est le nombre de sujets, plutôt de copies par correcteur qui compte. Or, en droit pénal, on a le même nombre de copies. Enfin, en tout cas, quand vous êtes correcteur, vous avez le même nombre de copies en face de vous qu'un correcteur de droit international. Sauf qu'en droit international, vous avez 10 correcteurs par IEJ, ou 5 correcteurs par IEJ, alors qu'en droit pénal, on en a peut-être 40. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, chaque correcteur va avoir le même nombre de copies. Donc en fait, votre copie ne sera pas plus ou moins noyée en fonction de votre choix de spécialité. C'est un mauvais calcul de se dire, en droit pénal, je prends pas le droit pénal, je prends plutôt le droit international, parce qu'en fait, je prends le droit international plutôt que le droit pénal, parce que je vais être moins noyé, etc. Parce qu'en fait, non, vous êtes noyé de la même façon, parce que les tas de copies se ressemblent, peu importe la spécialité. Voilà. Choix de la procédure, bon voilà, procédure civile, qui est surreprésentée, parce que pour rappel, j'aurais pu commencer par là aussi tout à l'heure, mais les matières de procédure ne peuvent pas être dépareillées par rapport à la matière de spécialité. Bon, très simplement, si vous choisissez civil en spécialité, vous aurez procédure civile. Vous ne pouvez pas faire civil et procédure pénale. Ce qui était le cas à mon époque, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Quand vous avez pénal, vous choisissez procédure pénale. Les seules matières qui vous autorisent, qui se mettent à équidistance entre deux matières de procédure, c'est le fiscal et le droit international européen. Vous avez des étudiants qui ont droit international européen qui choisissent procédure civile, et des étudiants qui ont droit international européen en spécialité qui choisissent procédure administrative contentieuse. Ok, bon voilà. Comment s'y préparer? Alors, bon, je vais vous le passer très simplement, cette slide, je pense que vous la connaissez, c'est comment évaluez-vous le rôle de l'IEJ dans votre réussite? On sait, l'IEJ, moi je vous le dis, j'ai une vision qui est assez ouverte là-dessus. C'est-à-dire que je considère évidemment, enfin, on a quand même 68% des étudiants qui ont répondu à ces questionnaires en disant le rôle de l'IEJ a été faible dans ma réussite, parce que c'est la réponse des ennemis seulement, donc si on a filtré uniquement les ennemis, 68%, donc plus de 2/3, nous disent c'est pas très important. Mais oui, parce qu'en fait, l'IEJ, la plupart du temps, c'est quoi? C'est une chambre d'enregistrement, c'est ni plus ni moins que ça. En réalité, l'IEJ, ça peut être utile. Il faut donc un peu, s'il y a un groupe Facebook de l'IEJ, il faut être dessus, hein, ça c'est clair et net, c'est obligatoire. C'est utile parce qu'il peut y avoir des entraînements qui peuvent être utiles, il peut y avoir des documents qui peuvent être utiles. Allez vous entraîner en note de synthèse dans votre IEJ, moi je trouve ça cool, je trouve ça bien. Allez voir des séminaires de correction si vous pouvez. Mais non, attendez pas grand chose, en fait, très concrètement, non, n'attendez pas grand chose. Parmi ceux qui ont été admis, alors encore une fois, combien avaient fait de prépa? Je vous le dis, je vous le livre. Alors c'est un slide qui peut être un petit peu bizarre, mais en réalité, et c'est encore une fois, c'est un slide qui a été fait sur les étudiants qui ont été admis au CRFPA. Qu'ils aient été en prépa ou pas. Donc c'est pas que les étudiants objectifs barreaux, c'est aussi les étudiants de pré-barreaux, du cap avocat, peu importe, ou même des étudiants, excusez-moi, qui n'avaient pas de prépa. Donc 80% avaient fait une prépa. Alors, je le dis de façon d'autant plus décomplexée que 80% des répondants à ce questionnaire qui étaient admis au CRFPA l'année dernière avaient fait une prépa, je le dis de façon d'autant plus décomplexée que chez Objectif Barreau, on a une politique très forte d'égalité des chances. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on est extrêmement fiers, on considère que vous pouvez vous inscrire chez Objectif Barreau, même si vous avez des problèmes financiers. Si vous ne pouvez pas assumer financièrement votre inscription chez Objectif Barreau, on va vous permettre d'accéder à la préparation Objectif Barreau en vous faisant des codes de réduction. Chaque année, on a des étudiants boursiers, beaucoup d'étudiants boursiers, qui demandent le programme Égalité des Chances. C'est quoi? C'est vous remplissez un formulaire sur notre site internet. Si vous êtes échelon bourse, alors il faut être soit boursier, soit démontrer qu'on a des difficultés financières. Donc c'est simplement un formulaire que vous avez sur un site internet où vous dites je candidate pour le programme Égalité des Chances, et en 48 heures vous avez une réponse qui est proportionnelle évidemment à vos capacités de revenus. Donc par exemple, quand vous êtes étudiant boursier échelon 0 bis, vous avez forcément moins qu'un étudiant qui est échelon 7. Mais on a des étudiants qui chez nous payent seulement la moitié de la préparation, parce que ce sont des étudiants qui ont un échelon de bourse très très élevé, qui montrent avec des justificatifs qu'ils ont des difficultés financières, etc. Et ça, on fait en sorte de les aider. On est extrêmement fiers de le faire, et donc je vous le dis, tous les étudiants peuvent venir chez Objectif Barreau, sous réserve qu'ils nous montrent, d'un point de vue financier, qu'ils ont des difficultés, et nous on permet aux étudiants, on est très très fiers de le faire, et on le fera jusqu'à la fin d'Objectif Barreau, on fera ce programme Égalité des Chances, on en est très très content. Et on est très heureux et très fiers de nos étudiants Égalité des Chances. Quand commencer à réviser? Bon, il y a toujours cette question. Là, ça c'est la réponse des admis qui nous disent en fait, des non-admis, pardon, ça c'est une erreur, il y a une petite erreur ici, c'est la réponse des non-admis, de ceux qui n'ont pas été admis. Donc c'est la réponse des non-admis. Qu'allez-vous changer cette année? Vous avez quand même 26% qui nous disent, alors 42% qui nous disent commencez plus tôt dans l'année, ça tombe bien, on a le programme, on a l'option égalité, pas égalité des chances, pardon, je suis fatigué, l'option évidemment préparation anticipée, dans les préparations à distance ou les préparations en classe.
On a aussi travaillé de façon plus efficace, parce que ça tombe bien, chez Objectif Baron, on a des polycopiers qui sont extraordinairement efficaces, qui vous font gagner un temps fou. Et 26% plus d'épreuves blancs, parce qu'ils ont compris, et c'est vrai, c'est extrêmement important, les amis, c'est extrêmement important de faire des entraînements, faire des entraînements, faire des entraînements. Quel lieu j'y choisir? Ça, je vous le dis. Pour toutes les questions qui doivent être, que vous souhaitez voir traitées de façon individuelle, parce que vous voyez, déjà, j'ai pas eu le temps de répondre aux questions, mais je vais y répondre dans quelques secondes, je vais faire une incursion sur les questions. Vous avez sur le site Objectif Barreau, donc après le live, hein, ne quittez pas, après le live, allez sur le site Objectif Barreau et vous aurez la possibilité de réserver des créneaux avec nos tuteurs, qui sont en fait des spécialistes de l'examen du CRFPA, qui ont eu le CRFPA l'année dernière ou il y a 2 ans, et qui ont encore en mémoire les méthodes qui nous ont fait réussir. Et donc vraiment sur les questions individuelles, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est totalement gratuit, ce sont des rendez-vous à distance, donc c'est un rendez-vous au téléphone, et c'est en fait très bête, hein. Vous allez sur le site internet, vous cliquez sur voir les dates, et puis là vous avez plein de dates, et en fait au créneau auquel vous dites, bah, par exemple lundi prochain, par exemple je veux être rappelé par un étudiant à 14h, et bien un étudiant du barreau, un étudiant de l'école du barreau va vous appeler à 14h lundi prochain. Et cet étudiant, ça peut être Diane, ça peut être Léa, ça peut être Lorenzo, par exemple, qui est un étudiant de Sciences Po, qui a eu le CRFP avec nous il y a 2 ans, et qui va vous appeler à votre numéro et qui va vous répondre à toutes vos questions pendant 1 heure. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement. Donc faites-le si vous avez des questions individuelles. N'hésitez surtout pas à poser ces questions, à vous inscrire. C'est vraiment extrêmement simple. Et encore une fois, on a plein de créneaux de rendez-vous qui sont ouverts. Donc faites-vous plaisir. On a aujourd'hui... des tuteurs qui font ça toute l'année, donc c'est extrêmement positif et c'est gratos. L'I me demande la réduction égalité des chances est-elle cumulable avec la réduction ancien élève OB? Non, c'est l'une, L'I, je vois ce que tu veux dire, non, c'est la réduction la plus forte qui l'emporte. Autrement dit, si ta réduction au titre d'égalité des chances est supérieure à la réduction qu'on va te proposer en tant qu'ancien étudiant, bah c'est celle-là qui s'applique. Si c'est la réduction ancien élève OB qui est plus importante, plus forte, et bien tout simplement, bah, c'est celle-là qui s'appliquera. Donc ça ne se cumule pas, mais par contre, c'est la meilleure des deux qui gagne. Paiement plusieurs fois, oui, tu peux payer jusqu'à 9 fois en chèque si tu veux. Moi, Raya, tu peux payer jusqu'à 9 fois en chèque, oui, même voire 10 fois en chèque, je vois à partir de maintenant. Donc tu peux payer jusqu'à 10 fois en chèque si tu souhaites, ou 3 fois en carte bancaire, si tu souhaites. Emma, bonsoir monsieur, je suis en Master 1, si je suis admissible, pourrais-je décaler d'1 an mon entrée en école afin de faire mon année de Master 2? Oui, normalement, Emma, il faut te rapprocher de l'école d'avocat. Donc, il faut te rapprocher peut-être donc de l'EFB. Je ne sais pas si c'est l'EFB pour toi, dans quelle fac tu es, Emma. Mais si c'est l'EFB, il faut juste que tu... Normalement, c'est possible. C'est tout à fait possible de décaler. Mais tout ça, il faut que tu te rapproches de l'école d'avocat, parce que ça dépend de l'école d'avocat. Mélissa te répond, ça, super, ok, trop cool. J'ai compris qu'il y aurait un poli de majeur cette année. Est-ce bien le cas, Zo? Oui, en droit des obligations, a priori, on va le faire. Ouais, exactement, Zo. C'est droit des obligations. A priori, on va faire un polycopier de majeur type. On va se faire très plaisir. Et ça, c'est typiquement une innovation pédagogique d'Objectif Barreau qu'on va mettre en œuvre cette année, parce que c'est quelque chose qu'on a compris l'été dernier avec nos étudiants. C'était une demande. Et évidemment, il y a une inertie dans la... On répond aux demandes des étudiants d'une semaine sur l'autre. Donc parfois, par exemple, typiquement, un étudiant qui nous demande, un séminaire de correction un peu plus long, la semaine d'après, les séminaires de correction sont un peu plus longs. Il nous demande de changer tel truc, on le fait. Vous voyez, on s'adapte. Après, la rédaction de poly, malheureusement, si vous voulez, ça répond à une inertie assez forte parce que ça prend du temps. Donc vous voyez, quand on a compris ça au milieu de l'été dernier, on s'est dit, tiens, ça peut être hyper, hyper sympa ça. On en a parlé au prof et on s'est dit, ok, l'année prochaine, on va le faire. Voilà, typiquement. Ok ? Donc, on va le faire en droit des obligations, ma chère Zo. Voilà. Et comme plein de trucs, en fait, vous savez, Objectif Barreau, on ne se repose pas sur nos lauriers. On essaie d'améliorer tous nos contenus pédagogiques, faire toujours mieux, toujours plus. Vous savez, on est obsédé par un truc, c'est l'évaluation. Chez Objectif Barreau, on est tous nos élèves et on lit individuellement toutes les réponses de tous nos élèves. Et ça prend. C'est ça, hein, les évaluations Objectif Barreau qu'on les imprime. C'est énorme. On lit individuellement toutes vos réponses et chaque année, on améliore par rapport à l'année précédente. Si un prof n'a pas fait le travail, il est en dessous d'une certaine note, eh bien, il ne travaille plus pour nous. C'est extrêmement rare parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on existe. Donc en fait, on a déjà écrémé et en fait, aujourd'hui, c'est un peu la sève absolue. Vous avez les meilleurs profs Objectif Barreau. Cependant, s'il y a un intervenant au séminaire de correction qui ne vous a pas plu, qui n'est pas au rendez-vous, qui n'a pas bien fait ce qui nous semble être important, évidemment qu'on n'est pas complètement bête, hein, on n'a pas que les étudiants, on regarde aussi après les vidéos, on analyse, etc. Mais on est très objectif et voilà. Pareil pour les polycopiers, on fait doter tous nos polycopiers, tous nos sujets. Donc voilà, c'est ce qui fait que chaque année, la prépa s'améliore pour... Objectif absolu chez nous, Objectif Barreau, c'est notre objectif, c'est qu'un jour on ait 100% d'admis au CRFPA. On travaille d'arrache-pied pour que chaque année ce rêve se réalise. Donc vraiment, c'est très 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 important pour nous, c'est la chose pour laquelle on se lève chaque jour. Nos préparations 2022, vous en avez 3. Préparation annuelle pour les étudiants qui ont décidé de passer l'année pour préparer le CRFPA. Ça commence, alors le gros de la préparation commence en janvier, vous avez déjà du contenu à partir de novembre, mais voilà.
Préparation à distance avec des options à distance renforcée, donc distance classique, distance renforcée, distance anticipée, distance renforcée et anticipée. Vous avez plein de jeux d'options, mais c'est assez simple à comprendre. Allez sur internet, normalement c'est assez clair. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer des mails, on répond très rapidement. Préparation en CRFP en classe 2022, donc ça sera... C'est au cœur du 6e arrondissement, donc là où on est nous, hein, là où on opère, eh bien ça sera donc l'été prochain en classe dans le 6e. Réduction extrêmement importante en cours, jusqu'au 30 novembre, vous avez des réductions parfois jusqu'à 500 euros sur nos préparations à distance avec option ou en classe. On a des préparations, voilà, et sur toutes les préparations, il y a des réductions, mais évidemment elles sont très importantes pour les préparations les plus chères, et c'est jusqu'au 30 novembre. Donc si vous êtes intéressé par Objectif Barreau, je vous le dis, faites-le en novembre. Les réductions sont dégressives, donc n'attendez pas qu'en décembre vous ayez les mêmes réductions qu'en novembre, parce que c'est dégressif. Il y avait des réductions en octobre et elles sont un petit peu moins fortes en novembre, elles sont encore moins fortes en décembre, et voilà. Donc, à chaque fois que vous inscrivez tôt, en fait, plus vous dépensez. Vous avez aussi le programme Égalité des Chances, on en est extrêmement fiers. Faites-le si vous êtes boursier ou si vous avez des problèmes financiers, on sera fiers et très heureux de vous accompagner, les amis. Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations. Je précise juste. Objectif Barreau, prépa d'excellence. Pourquoi ? Parce que, allez voir nos étudiants, allez voir les résultats de nos étudiants. Je sais pas moi, Lola, IEJ de Paris 2, 18 sur 20 dans des synthèses. Je sais pas moi, Jessica, IEJ de Paris 1, 14 sur 20 dans l'obligation, etc., etc., etc. Enfin, allez voir, voilà, excellence, c'est notre spécialité, c'est ce qu'on sait faire de mieux. On fait des contenus excellents, des profs excellents, des interactions excellentes avec nos étudiants. On fait en sorte que tout soit en béton armé. Innovation pédagogique, vous voyez, correction de copie en vidéo, podcast de... Et encore une fois, c'est pas de l'innovation, si vous voulez, artificielle. On fait extrêmement attention. Vous voyez, moi, je connais les sujets. Il y a les prépas qui font des innovations artificielles complètement creuses. Je sais pas moi, les QR codes. Voilà, nous, on fait la correction de copie en vidéo. Voilà, ça, c'est important. Les polycopiés spéciales majeur type, c'est extrêmement important. Égalité des chances, on en est très fiers. Le coaching, les coulisses de l'examen, parce que évidemment, quand on vient chez Objectif Barreau, c'est parce que nous, on maîtrise parfaitement les coulisses de l'examen. On connaît, ce qui fait que cet examen est particulier, c'est aussi que tous nos professeurs, encore une fois, connaissent l'identité des personnes qui rédigent leurs sujets, vont s'intéresser à leurs publications, font ce travail de fond. On est très connecté avec les écoles d'avocats, avec le CNB, avec les IEJ. On sait, si vous voulez, tous les détails qui font que l'examen, on le maîtrise davantage que les autres. Le coaching, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler déjà dès maintenant, même si vous n'êtes pas étudiant chez nous, on sera très heureux de vous répondre. Et puis aussi le tutorat. Allez voir sur notre site internet. Les évaluations de nos étudiants de l'année dernière. Et puis surtout, vous pouvez, ça c'est la seule, on est la seule prépa à le proposer, encore une fois, vous pouvez lire en fait les mails qui nous sont envoyés. C'est-à-dire que nous, c'est pas simplement c'était génial, Clara de l'IEJ de Paris 1. Non. C'était génial, puis tu cliques dessus, et puis tu as en fait la capture écran du texto, du DM ou du mail qu'on a reçu de l'étudiant qui nous dit c'était génial. Donc voilà, vous avez la preuve quoi. Gwenaël, IEJ de Paris 1, en CRFP à 2020. On n'a pas encore les résultats de 2021, les amis, donc on ne peut pas encore vous communiquer nos. Mais on a déjà beaucoup d'étudiants admissibles et qui nous ont envoyé des messages de remerciements hyper touchants. Mais on ne diffusera les résultats, enfin les témoignages de cette année, que lorsque les résultats d'admission seront tombés. Mais qu'est-ce qu'on a 2020, IEJ de Paris 1, Gwenaël nous dit « Merci pour votre accompagnement durant cette année difficile. Je continuerai de recommander Objectif Barreau aux personnes qui m'entourent et passent l'examen du CRFP 1. » Eulalie, IEJ de Bordeaux, nous dit « Vous m'avez permis de n'avoir aucune note en dessous de la moyenne. Un 13,25 en note de synthèse et un 13,5 au grand taux. Merci pour tout et à l'ensemble de votre équipe et professeurs. Je n'hésiterai pas une seconde à recommander Objectif Barreau. » Ludovic, de l'IEJ de Rennes, tous les IEJ sont représentés chez nous. Je vous remercie pour votre préparation. Grâce à vous, je suis admis alors que je n'ai pas encore fini mon M2. Je remercie l'ensemble des professeurs qui m'ont permis d'obtenir un 16,5 en droit des affaires, etc., etc. Vous n'avez que ça sur le site internet d'Objectif Barreau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. J'ai été extrêmement content de vous avoir avec moi. J'espère que vous avez davantage compris ce qui vous attendait en 2022. Vous avez décrypté avec moi. On a décrypté ensemble, les amis, le CRFP 2021. J'étais donc très, très content de vous avoir avec moi. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer des mails, à nous interroger. On sera ravis d'y répondre. Et prenez rendez-vous aussi avec nos spécialistes du CRFPA. Ils seront ravis de vous accompagner pendant cette année qui est très importante pour vous et donc qui sera très importante pour nous si vous décidez de venir chez nous. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Ciao.
Bye.